Coucou. Ouais, je suis prête. Ah ouais, alors par contre, je vais couper le Twitch parce que je m'entends sinon. Ah oui. Coucou En tout le monde. décalage. Ça y est, j'ai mis le micro. Désolé, on finit de régler les petits détails. Coucou tout le monde. Oh, je vois qu'il y a du monde. Alors, coucou Sébastien, coucou Kitty. Bon bah coucou Céline, merci d'être avec nous en VIP ce soir. En VIP. Oh, Clémence est là. Coucou Clémence. Anne est là? Non, elle a dit qu'elle viendrait, Anne. Par contre, on a l'immense honneur d'avoir Chipo Création avec nous ce soir. C'est de la folie. Incroyable. J'adore voir passer ces trucs sur Twitter. C'est toujours hyper créatif, plein d'humour et très joli en plus. Super bien fichu, j'adore, je suis fan. Coucou Stéphane. Coucou. Anne, non, c'est Céline qui fait avec moi. Eh Oui, ben excuse-moi. c'est sincère, Chipo. Je ne sais pas si on dit Chipo ou Chipo. Ça fait un peu Chipolata. Chipolata, soirée merguez. Mais c'est sincère. Je suis toujours. Je vois peut-être pas tout se passer. Je réagis pas sur peut-être tous, mais j'aime toujours bien voir passer les trucs que tu crées. Et puis je suis aussi admirative de. Ouais, l'esprit barbecue. Je suis aussi admirative de la du passage Guyane que j'ai. Voilà. On va pas s'étaler plus longtemps, mais c'est chouette. Ah ben, surtout que moi, mon oncle a passé pas mal d'années en Guyane. Et pour moi, je me dis que c'est vraiment le pire endroit sur Terre au Ah niveau oui? climat. Ouais. D'accord. Coucou Ben, Astro, moi qui ça aime pas va? la chaleur humide. Ah bah oui. Non, mais en plus là, les conditions étaient vraiment. Astro, maintenant, j'ai peur quand il est là. Il traque mes grands moments et il en fait des clips, j'adore. Je sais pas Et si après, on vous. fera une compile. Voilà, un compile de tous les moments gênants. Comme le moment hier où j'ai dit je suis fan des culs et voilà. Alors j'ai pas eu peur, je l'ai partagé sur Twitter. Parce que j'ai honte de rien. Ou presque. Raison. Alors. Faut que je partage le lien du pad déjà. Donc ce soir, Céline a fait gentiment le. C'est juste une fois, oui c'est vrai, c'est juste une fois. Mais alors quelle fois? Céline nous fait l'honneur de co-animer. Hop, et j'ai dit que Ouais, je le mettrai je vais pas faire aussi. grand-chose en fait. Oui, oh bah si quand même. Alors, je le mets aussi sur le Discord, comme ça si jamais Warren Aïs, il veut, enfin notre petit Warren qu'on voit plus du coup, s'il veut quand même nous rejoindre sur le pad. Coucou Wanayam, waouh, on va être super nombreux ce soir, c'est cool. Tout le monde est là pour toi, Céline. Oh oui, au moins. Donc du coup, en plus, dis donc, tu viens plus tôt que d'habitude, Wanayam. C'est cool. Je vais pas faire genre, je vais pas gronder les gens parce qu'ils viennent plus tôt quand même. Ça lag moi, bah il n'y a pas de foot. Non mais c'est bon C'est ça, quand cherche pas. tant que j'ai pas la fibre, je ferai plus de streaming quand il y a foot parce que c'est pas possible quoi. Un Ou tu téléphone à regarderas plus de clapet. foot quand tu auras quand il y Oui aura voilà, il streaming, quoi. faudra qu'on tire ça au sort, mais. Wanayam qui a un téléphone à clapet. Ça lag Bah presque ouais, plus. mais Ça lag presque plus. ça Non, nous a tu. marqué cette histoire, attends. J'avoue. Un téléphone à clapet, quoi. Ouais, je sais pas vraiment si on dit encore à. Si c'est vraiment ça à clapet. Enfin, c'est le truc qui se replie en deux là. En tout petit téléphone, tout minuscule, tout pourri. Mais bon, voilà, un téléphone à clapet.
Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, ça doit être. Ça doit être. Ben Voilà, voilà, c'est. c'est Fallait la être séance là. de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là. Fallait être là, aller voir le replay. Un téléphone Vanity. Ah, ça, je connais pas. C'est des trucs de Jones. Moi, vous savez, je suis en pré-ménopause, hein, les trucs de Jones. Je sais pas ce que c'est. Donc ce soir, D'accord. regardez, la grande, la belle Céline est avec nous. Et Wow, ça c'est mon nom en grand sur l'écran là. t'as vu ça? Attends, et C'est moi quand je moi. dis que t'es VIP, t'es VIP. Hein. Eh, Fais pas semblant. attention quoi. Ah, c'est clair, ça c'est du C'est pas VIP du ça. petit VIP. C'est pas du petit VIP quoi. Attention. C'est du VIP de chez VIP. Voilà. Donc, on va faire ce soir, mais c'est elle va nous présenter. Ça claque, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Chipot? T'as Ça vu, claque, ça regarde. chipote, Classe, ça. ça claque. Faudrait des éclairs et la musique de Rocky, j'avoue, ça pourrait bien péter. Oui, c'est moi Ah bah qui l'ai fait. attendez, comme on sait que je Merci. chante à chaque fois, je peux vous le faire. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Et Voilà. voilà, on aura eu l'intégrale ce soir. Voilà, ça y est, Magnifique. ça c'est fait, comme ça on n'en parle plus. Mon mari il doit se dire, qu'est-ce qu'elle fait encore? Tu parles d'un truc d'écriture. Alors, sinon, Clémence, elle demande qui t'a fait le dessin parce qu'il est super joli. C'est vrai qu'il est joli, même s'il y a un chat dedans. Créature du malin. Ah. Va des rétro. Bien, écoute, oui, tout à fait. J'avais gribouillé ça, j'avais fait un truc sur Photoshop, et puis bon, à grande échelle, ça rendait vraiment dégueu, pixelisé, tout pourri. Ouais. Et donc, eh ben, je me suis dit, il va falloir vraiment faire ce que je déteste, c'est-à-dire le faire sous Illustrator. Et voilà, j'ai pris mon courage à Donc quatre mains c'est parce que toi qui c'était le l'as fait. minimum. Ouais. Eh ben bravo. Ben, merci, mais bon, en même temps, aucun mérite, si tu veux, quelque part. C'est un peu mon métier, donc du coup, Ah non, pas de oui, mérite. d'accord. Mais t'as combien de métiers, dis-moi? Eh bien, j'en fais collègue, mais il y en a plein que j'ai pas essayé. Tu vois, j'aurais D'accord. adoré être genre chef indien, ça m'aurait bien fait rêver. Ouais. Chasseur de fantômes, mais je perds pas espoir. Là, je vais pas chanter non plus, mais Enfin, il y a plein de métiers comme ça que j'ai pas encore fait, mais d'accord. je perds pas espoir, quoi. Voilà. Bah écoute, en tout cas, t'as déjà pas mal de cordes à ton arc. Pour le chef indien, ça compte sur le CV, je pense. Ouais, enfin, disons que si tu veux faire carrière comme chamane, ben ouais, ça booste le CV, Bah, c'est sûr, si t'as à mon pas de avis. corde à ton arc, tu fais pas chaman indien, quoi. Voilà. Bon, oui, à un moment, on est sérieuse et on rentre dans le vif du sujet. Donc, du coup, parce que c'est un atelier d'écriture, hein, normalement, on écrit. Et ce soir, on écrit avec l'outil de Céline, les petits papiers, les petits pots en folie qu'elle va nous présenter. Et dont elle va nous expliquer le principe. C'est parti. Wow, c'est C'est parti. parti. Allez, c'est à toi. Allez. Oui, ah bah, en même temps, il n'y a pas grand-chose à expliquer. J'avais eu l'occasion, il y a peut-être 2 ans de ça, je crois, ouais, quelque chose comme ça, de faire la connaissance de Calista Farrell sur Twitter. Et elle avait fait un truc absolument génial, c'est qu'elle faisait des fiches qu'elle laissait sur son stand. Quand elle faisait des confs, des festivals, des trucs comme ça. Et puis les gens remplissaient avec voilà des contraintes. Ouais. Et elle, avec ça, devait inventer des pitchs. Et j'avais trouvé ça vraiment absolument génial. J'avais dit, ah, c'est super, est-ce que je peux utiliser ça pour mes élèves? Ouais. Et puis elle m'avait dit oui, pas de problème et tout. Et j'avais poussé le raisonnement un petit peu plus loin en me disant, mais alors, si je veux en faire quelque chose pour moi, comment je fais pour me faire mon outil à moi? Puisque j'ai pas les visiteurs de salon à la maison, que j'ai pas rangé dans un placard hein, pour quand j'en Ouais, ai besoin, c'est ballot. On devrait c'est tous avoir ballot, des et ben visiteurs de salon dans le placard.
Bah, ça sert toujours, hein, tu vois, quand il Écoute, n'y a hein. personne sur le stand, tu te dis, ah, mais bougez pas, attendez, j'ai un endroit, J'ai la mes règle. visiteurs de... Voilà. Donc, non, j'en avais pas, et je me suis dit, ben, je vais me faire des petites boîtes, et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, comment je pourrais fonctionner. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais me faire des pots, et dedans, je vais mettre des papiers. Regardez comme ils sont beaux. Et voilà, et du coup, je me suis dit, ben, tout simplement, qu'est-ce qui me fait triper quand j'écris, c'est de mélanger des genres avec voilà, des périodes et des lieux et des trucs qui n'ont rien à voir. Et donc, je me suis dit, ben, Oui, si je peux voilà. me permettre, t'aimes bien surtout quand les mélanges sont improbables. Ah ouais, ça, c'est mon moment préféré. Quand les mélanges sont. Quand les trucs vont trop bien avec, en général, je suis déçue. Quant à Voilà, je ne vous cache Steampunk pas. dans Dark Ages, par exemple. Ouais, voilà, bah là, c'est sympa. Quand j'ai des trucs qui vont trop bien ensemble, en Voilà. général, je suis. Bon, voilà. Alors, non, les pots, il y avait des petits pois dedans, si tu veux tout Ah savoir. oui, ça se voit que c'est pas du pot à Nutella. Hein. Wanayam, tu connais rien. Ouais, Kitty, je suis assez d'accord avec toi. Les pots, ils sont super joliment custom. Alors, c'est un peu le principe du Drabble. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est de mettre au point des pitchs. Je connais C'est de pas le donner des Drabble. idées de pitch, quoi. Oh, pardon, Wanayam, je voulais pas te faire du chagrin. Non, mais à ça, au Nutella, tu connais rien, mais tu connais à plein d'autres trucs. Attends, tout ce que tu sors le vendredi là sur la musique, moi je serais. Ça, j'y connais rien non plus. Oh, tu te sens stigmatisé, mince, pardon. Je ne veux stigmatiser personne, mais c'est très bien de ne rien connaître au Nutella parce que le Nutella c'est le mal. Alors, le Drabble Tout à est fait, un c'est le mal. travail extrêmement court de fiction littéraire contenant exactement 100 mots en longueur. Le titre ne compte pas dans le nombre de mots. Le but du Drabble est d'évaluer la capacité de l'auteur à exprimer des idées intéressantes dans un nombre de mots extrêmement limité. D'accord. Alors voilà, sauf que là, l'idée, c'est pas forcément d'écrire une histoire très très courte, de faire de la tweet fiction. C'est vraiment de. Enfin, moi, je l'utilise comme un outil de pitch. Mais après, tu peux très bien l'utiliser comme un outil de Drabble. Alors là, rien t'interdit de faire ça. Hein. Tu fais bien ce que tu veux avec, d'ailleurs. Alors bah moi je l'ai testé, enfin j'ai eu l'occasion de faire partie d'une table ronde où on l'a testé sur A Place to Geek si je me souviens bien. Ouais, exact. Donc il y avait plusieurs personnes, on était sur tous en vocal sur Discord. Et donc Céline faisait ses tirages et on a eu des pitchs de l'improbable de la mort. Et c'était Ouais, on a assez eu des fun. histoires de baleines et de poulpes assez glauques aussi, hein. Oui, c'est parti parfois, ça tourne mal. Mais on a eu des histoires magnifiques quand même de palais Renaissance sous l'eau Oui, pour c'était vivre beau. un Mais amour c'est interdit. dans C'était la très même beau. histoire qu'il y avait des baleines et des poulpes et Non, mais des... après ça, non, Sa vie il y a eu sexuelle, une histoire c'était horrible. parallèle. C'était n'importe quoi. Non, là, je dirais rien sur ça. C'était vraiment affreux. Chipot Bon, il y a dit eu le une histoire titre. débile de trafic de frites aussi. Ah oui, ça c'était bien. Le titre de l'émission, il y a du Nutella dans le Drabble. Ouais, c'est Après, il ça. y a une couille dans le potage et il y a du Nutella dans le Drabble. J'espère bien que tu me taquines, Wanayam, quand même. Pas de ça entre nous. Alors, ça marche par principe Oui, de ça marche pas. contrainte aussi sur le choix des thèmes et des Oui. personnages. Et Oui, mais bah, tu mais peux de toute mettre ce que tu veux façon. dans les pots, en fait. On revient toujours à l'écriture sous contrainte et à l'Oulipo, hein. Et à cette vérité incroyable que la contrainte nous libère en fait et libère l'inspiration. C'est pour ça que j'ai prévu sur le planning plusieurs ateliers autour de contraintes oulipiennes. Parce que oui, quand on se pose des contraintes, finalement, ça nous pose un cadre qui fait que on arrive à se libérer sur ce. Ouais, je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais vous avez compris. Bah pour moi, la contrainte, elle provoque la créativité, justement. Oui. C'est ce qui te permet Mais de lancer des choses, alors qu'avant, tu étais dans le vide.
Bah, parce que quand tu es devant l'immensité des possibilités, en fait, tu sais plus laquelle choisir. C'est comme quand tu as du temps libre et que tu te dis, oh, j'ai plein de temps, je vais pouvoir faire plein de trucs, et du coup, tu t'es tenté par plein de trucs et tu sais plus ce que tu vas faire, et au final, tu n'as plus envie de rien faire. Que en fait, Ouais, c'est un peu ça, il y a des moments comme ça. quand tu te mets une direction, tu te mets une petite. Tu dis bon aujourd'hui je vais faire un truc mais plutôt créatif. Bon bah voilà, tu réduis tes activités. Et là du coup la contrainte d'écriture, et ben c'est pareil, en montrant une direction, elle permet de déclencher plus rapidement que de devoir chercher dans le désert et l'immensité des possibilités. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ils disent des trucs avec des tentacules. Bah oui, là où il y a des tentacules, ça rime en plus. Oui, Si tu oui. avances et tu recules, comment veux-tu que je tentacule? C'est ça. Celle-là, Astro, tu peux y aller, hein, c'est cadeau. Des baleines de Voilà, mais soutif, ah oui, elle. on n'y avait pas pensé, tiens. Non, c'est vrai. Mais en même temps, c'était peut-être parce que c'était Renaissance. Alors, du coup, la baleine de soutif, Ah c'est quand oui, même plus tardif, ouais, ouais. on était plutôt au corset là, non? Avec mon temps libre, j'ai fait une sieste. Et bah, c'était une très bonne activité, Wanayam. Moi aussi, ça m'arrive de faire une sieste sur mon temps libre. C'est toujours une très bonne chose. Comment veux-tu que je t'enlève ton pull? Stéphane, toujours très sage. Live spécial hentai ce soir, oui, voilà. C'est encore un live, ça tourne mal. Mais bon, on va peut-être essayer de pas tuer tout le monde cette fois, voilà. Non, c'est vrai que souvent on fait. C'est vrai, quand On tue des gens plutôt, hein. ça tourne mal, c'est plutôt le massacre que l'orgie. Hein. Il n'y a plus le bouton pour clipper en mince, il est parti où? Je sais pas, j'ai rien touché. J'ai Tu rien parles, en touché. fait, tu vas voir, elle a tout trafiqué Twitch pour qu'on puisse plus faire des clips de toutes les conneries qu'elle dit. Voilà. C'est fait exprès. Je fais genre, j'y connais rien et en fait, je maîtrise trop mon Ouais. truc. Grave. Machiavélique. Voilà. Donc du coup, je vois que 5 personnes sur le... J'ai peut-être désactivé l'option par erreur. Oui, si j'ai désactivé quelque chose, c'est sûrement par erreur. Mais normalement, j'ai... Ah, il l'a trouvé, Wanayam. Alors tu vois, j'ai rien fait. Je remets le lien du truc parce que je vous vois pas et ça me contrarie un peu. Alors, je remets le lien. Je sais pas si Warren il sait que je vais le bipper à tout hasard. Donc du coup moi je me disais qu'on pouvait faire des tirages et alors on peut faire soit on peut faire un ou deux cas de groupe et après comme c'est plutôt écrit et ben ce que je trouverais intéressant c'est que sur un tirage tout le monde fasse un petit pitch dans son coin et à la fin on compare comment sur un tirage enfin sur tous avec le même tirage on arrive à avoir autant d'histoires différentes. Ouais, et puis après le pitch commun, les gens peuvent faire le tirage avec le lien que j'ai donné, que je peux redonner. Oui, on peut le Chacun redonner. De faire toute son façon, tirage perso et. on va le. Tu vas l'avoir remis, je vais l'épingler, je vais le remettre. Je vais y arriver. À un moment, je le remettrai dans ressources ou un truc comme ça, et puis je l'épinglerai. Parce que c'est vraiment super intéressant et en plus le temps de que enfin moi personnellement le temps que je fasse des pots tu vois c'est très bien d'avoir le tirage parce que regardez ce qu'elle nous a fait quand même elle nous a fait les pots virtuels donc on va pouvoir faire des tirages en ligne Donc là, tu as même ton premier tirage qui s'affiche en fait, quand tu carrément. arrives sur la page. Ouais. Historique Fantasy, Océanie 20e, sur le thème du partage. Je vous écoute. Vous Vous avez avez deux heures. 2 heures.
Non, c'est du moins parce que j'aimerais bien me coucher pas trop tard. Non, bah du coup, demain matin, je risque de pas avoir à me lever pour emmener le petit vu qu'il est malade. Donc. Ah, mais ils y sont déjà. Je les avais pas épinglés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a déjà? T'avais déjà mis dans ressources tes pots. Oui, je Épingle. Et les bah avais oui, mis. bah je les avais pas épinglés. Je les épingle, comme ça on pourra toujours les retrouver. Et ben voilà. Magnifique. Alors, je vous mets le lien si vous voulez vous faire vos propres tirages à un moment. Alors j'avais mis plus haut, Tu mais peut-être achètes quoi, que... Ouais. Kitty? Attends, je l'ai loupé. C'était à quel moment que tu as dit j'achète les pots? T'as dépensé sans compter. Ah tiens, pour ceux qui ont vu sur Twitter, ça y est, je l'ai acheté le jeu de Cloud Gardening. J'ai trop hésité, mais je vais trop me l'acheter Mais il est à dès que même je pas 4 suis. euros. Je me suis dit, allez, même si j'y joue pas, en fait, c'est pas grave. Ça coûte 4 balles. Tu achètes le scénario qui se dessine? Eh ben ouais, moi je dis, hein. T'as bien raison parce que. Ça pète, historique fantasy. Océanie, alors Océanie, ça pourrait demander un peu de recherche. Hein. Ouais, c'est le seul truc, mais parfois. Parce que. Enfin, moi, je Parfois, c'est pas voudrais plus pas mal, surtout que tomber là, dans c'était les. historique en plus. Bah oui, ouais, historique fantasy. Moi, je voudrais pas tomber dans les clichés. Après, Ça. c'est 20e, hein. Donc bon, Oui. historique, ça va, pas trop dur. Ah oui, on peut faire l'histoire des All Blacks. En fantasy. Une équipe de kangourous qui fait du rugby. Mon Dieu. Ah, tu Ouais, mais l'as du coup, testé comment tu Astro. casses le thème? Ah oui, le thème de partage. Bah, il partage. Ah oui, non, parce qu'il partage pas. L'idée, c'est pas partager le ballon. Oh, bah, il partage à la troisième mi-temps. Il partage des bières et de l'eucalyptus. Des bières à l'eucalyptus? Ah bah voilà, avec des koalas. Ben voilà. Oh mon Dieu, les kangourous c'est l'Australie, bah l'Australie c'est pas dans l'Océanie. Ben si. Pour moi l'Océanie c'est le continent et l'Australie bah c'est la plus grosse partie, mais il y a d'autres petites îles aussi qui en font partie. Alors, attends. Ça faisait un moment qu'il était Océanie. sur ta liste. J'aime beaucoup le côté pixel art. Bah moi je savais pas du tout que ça. Et franchement, ça fait longtemps que j'attends un joli jeu de végétal. Déjà j'ai kiffé Townscaper, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien les jeux qui ont une belle identité visuelle. J'ai vu l'autre jour un tweet passer qui disait jeu avec une identité artistique et visuelle à part supérieure aux jeux réalistes et tout ça. Et franchement, oui. L'ultra-réalisme des jeux aujourd'hui me laisse totalement de glace, alors que des jeux jolis artistiquement et tout vont me faire beaucoup plus d'effet. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, je me le suis acheté juste avant le live, comme c'était 4 balles, donc je vous dirai hein, ce que j'en pense. Les All Blacks, c'est la Nouvelle-Zélande. Ah, pardon. Ah ouais, non, bah ça sur le rugby, je connais moins bien. C'est de la fantaisie, elle respecte plus rien. Jamais rien C'est clair. respecté. Hein. Et la Nouvelle-Zélande. Ah bah tiens, revoilà Galbachou. Il peut plus se passer de nous. Il y a un bouzouk parmi nous ce soir. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. J'essaie de faire pousser des plantes pour de vrai, donc je passe mon tour. Bah moi aussi j'essaye pour de vrai, et du coup. J'aime bien, même en pour de faux. La Nouvelle-Zélande est en terre du milieu. Bah voilà, on est dans la fantaisie du coup. Merci, Chipo. Elle est si Bah ça y est, cultivée, d'où. il me pourrit mon pitch là, Chipo. J'étais en train d'écrire un truc sur la communauté des hobbits qui s'installe en Nouvelle-Zélande. Ah bah bravo. En fait, vous êtes dans la même pièce, vous êtes une seule et même personne. C'est comment ils disent, je veux rien dire, mais on les a jamais vus en même temps, c'est ça? C'est Attends, ça. attends, quelqu'un me fait des compliments. Elle est si cultivée, doublure stylo, elle s'y connaît tellement, même en géographie. Et c'est qui Sauron du coup?
je sais pas C'est le ça. méchant. Ça, franchement. Chipoïdisseron, c'est Chirac. Non, 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 à mon avis, y a plus de level ailleurs quand même. Si j'ai bien compris, on part tous du même tirage pour raconter notre pitch. Alors, on peut essayer avec un commun, mais à l'écrit, ça c'était possible à l'oral parce que ça, les idées peuvent fuser, mais à l'écrit, ça risque d'être compliqué de faire un Mais pitch. remontre le pad. Remontre le pad peut-être hein, Ouais. sur le Twitch hein, Et pour ben qu'ils là, puissent ça y voir est. justement. Ça y est. Voilà. Et du coup, ouais, ça me semble compliqué de faire un pitch commun. Donc ouais, ça peut être intéressant de faire chacun un pitch avec le tirage qui a été fait. Donc oui, on part tous du même tirage. On fait un pitch de 3, 4, 5 lignes. Et puis on voit à la fin. Ouais, du coup, Sauron, tout ça, je disais, moi, c'est pas mon. Je vais me faire des amis ce soir. Bomboclate, c'est ça qu'ils disent les jeunes sur Twitter. Bomboclate, moi, le Seigneur des Anneaux. Voilà. Là, je vais perdre la moitié des spectateurs, des participants et des abonnés. Je vais me faire bannir. Voilà. À la fac, en expression, je sais plus quoi, en TD, je sais plus quoi, le mec, ça devait être un jeune geek, c'était un chargé de TD, il était fan, il nous a fait forcer à lire Le Hobbit, et franchement, je l'ai détesté pour ça. Tu te désabonnes, Kitty, oui, moi aussi, je suis désolée, je te déçois beaucoup, Galbache. Je savais que j'allais me faire des amis en disant ça, mais j'ai quand même dit. Ah bah attendez, parce que je vais. Tant qu'on y est, il faut que je vous avoue un truc, c'est que Harry Potter me laisse complètement froide. Voilà. On réglera ça plus tard, oui. Voilà, il y a Harry Potter aussi qui me. Qui me. Alors. Voilà, Harry Potter, rien à. Non, Daniel Radcliffe, j'ai rien contre lui, mais Harry Potter, la saga, Ouais. Kitty, elle me déteste, ça y est. Quoi? Que? Non, Daniel Radcliffe, je l'ai trouvé vachement bien dans la série Miracle Workers. Harry Potter, c'est collège tiers, donc tu es pardonné. C'est vrai que j'ai largement passé l'âge du collège. Tu me testes vraiment? Attends, je cherche un troisième pour voir si j'ai le tiercé gagnant. Quel autre grand truc me laisse froide alors que tout le monde l'encense. Bon bah non, Matrix, j'ai adoré, je fais partie des fidèles de Matrix, des inconditionnels. Je sais pas, Star Quoi? Wars, Star Hunger Papa, Games. voilà, Star Hunger Games, on Voilà, n'a Star même pas Wars. regardé en entier le premier film. Je pense qu'en livre, ça s'adresse pas non plus spécialement à moi. Hein. Enfin, je pense pas être dans le public cible. C'est plutôt de la littérature pour les jeunes, non, young adultes, c'est tout ça. Bah Pas les après, royaumes du Nord. Ouais, cher. Non, bah Star Wars. Star Wars dans le genre aussi. Je passe complètement à côté. Ça me soumet les trucs de l'espace en général. J'aime pas. J'aime pas les trucs Oh dans merde. l'espace. Alors t'aimeras pas ma série du coup. Mais si, c'est pas pareil. Il y Ah, a des c'est dans trucs que l'espace. Non, mais il y a des trucs que j'aime bien quand même. Mais sinon, les trucs chiants dans l'espace, j'aime pas. Mais c'est quoi les trucs Je chiants dans l'espace? sais pas, mais 2001, j'ai adoré. Pourtant, mon mari me l'avait super mal vendu. Hein. Il m'avait Ah bah dit 2001, ça fait partie des trucs chiants du Tu coup. vas te Ouais. faire chier, tu vas t'endormir, et en fait, j'ai trouvé trop bien. Dune, je l'ai pas lu, Ah, je Dune, crois que j'ai j'adore. vaguement vu le film. Ouais, je vois de la hype autour du truc qui arrive là, et ouais, Mais non. moi j'aime les trucs dans l'espace, alors, de Les toute trucs de façon. l'espace avec Voilà. des tentacules, ouais, non, les tentacules aussi, c'est pareil, ça me laisse. Je vais passer juste faire coucou, je resterai plus longtemps la semaine pro, mais en Bretagne, la 4G, elle est naze. Courage à toi et bon stream. Merci beaucoup, mon galbachou. Merci d'être passé. Même si c'était pas sur Bouzouk ce soir. C'est Ouais, mais toujours l'esprit des cool. bouzouks est là. L'esprit des bouzouks est parmi nous et c'est toujours, même quand on reste pas ou même quand on participe pas, ça me fait toujours plaisir qu'on pense à moi et qu'on vienne me voir.
J'aime pas les trucs chiants dans l'espace. J'ai adoré 2001, ce paradoxe. Oui, et puis Mais grave! on a en plus C'est des quoi ce fans paradoxe de d'astro. ouf? On a des fans de. Hein, d'ailleurs, Astrolab. Hein. On a des fans de trucs spatiaux ce soir, mais je vais me faire que des amis. Ah, c'est Chipo qui a pris toute Bon. la 4G bretonne ce soir. Les On trucs est de d'accord que l'espace. je me désolidarise totalement, hein, de ce que dit Doublure Silo. Hein. Je Voilà. n'ai rien à voir avec elle. Hein. D'accord. Absolument rien. Oh, comment vous m'abandonnez tous. Harry Potter avec des tentacules. Stéphane, Ils sont en bon, train de très tester, bon ils sont pitch. trop en train de tester, quoi. Très Blade bon pitch. Runner, Interstellar. Blade Runner, écoute, je sais même pas si je l'ai vu. Voilà, Interstellar, ça, j'ai pas vu. Elle vient de me Pas tuer. vu, j'ai pas vu. T'aimes pas l'espace et les tentacules, tu dois t'éclater sur mon Twitter. Eh ben oui, pourtant oui. Mais parce que Non, c'est non, une image à j'assume pas regarder. ça. T'assumes pas mes propres trucs. Moi j'assume, voilà. Mais je Non, j'assume regarderai. pas là. Je Non. regarderai un jour, je regarderai. J'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Avec quoi je pourrais me rattraper? Avec quoi je pourrais me rattraper? Mon Dieu. Voyons. Alors, Alors, Pierre Louis. dites un truc que j'aime bien. Bah, Astro, le petit robot, mais je pense pas que ce soit en référence à ça qu'il a mis ça en pseudo, alors. Après, si vous voulez, elle peut vous chanter Two Cat Size. Ouais, ah ouais, bah 403 vite le panthère qui en un éclair sale vont lire sans abri. Ah bah là, la génération Club Dorothée, tu peux pas tester. Génération Albator Forever. Voilà. Ouais, Star Bah Trek, c'est trop ouais, bien. j'ai cadra. Non, non, t'es en live avec elle, Céline, donc tu vois, t'as pas le droit de te désolidariser. Kitty. Ah, Non, mais elle aime merci, pas les chats, Kitty. c'est clair. Attends, je suis désolée, à un moment donné, non, quoi. Kitty, non, mais on t'aime bien quand même, doublure. Ah oui, on n'avait pas encore dit que je déteste les chats. Star Trek, oh mon Dieu. J'arrive même pas à faire le salut. Je me rappelle même plus c'est quoi sa race à l'autre. Vulcain. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Sortez-moi de là. Ah, Spock, si, je me rappelle de son nom quand même. Capitaine Kirk et tout. Non, j'ai un peu regardé quand même. Ça va, c'était Bon, pas allez, le. non, là Non, j'ai la c'était honte, pas le je pire. me casse. Non, Je reste Star pas Trek, là, je m'en c'était vais. pas le pire. T'as pas vu Blade Runner, t'as raté ta vie. Ben, de toute façon, je l'ai toujours dit. Hein. Alors, c'est juste difficile, ce qui tire. Je sens la déception. Serenity, ça me dit rien. Elle aime pas les chats, non, elle aime pas les chats. Star Trek, bon, c'était pas le pire. Cat Size interdit, non, Cat Size, j'adore. Albator, j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite, ok. Peut-être toujours un peu encore. Hein. Par contre, Gros bon, kiff, on avait re-regardé il y a quelques années avec mon mari, et en fait, c'est quand même super dépressif. Hein. Albator, il est dépressif à fond. Avec la petite musique à l'ocarina, là, t'as envie de se trancher les veines à la fin de chaque épisode. Astro, c'était mon surnom au collège parce que j'adore l'astronomie. Et ben voilà. Oh, Ulysse 31, c'était bien ça. Ça, c'est mon enfance. Oui, c'est l'espace pourtant. Ok, d'accord. Cobra, très bien. Nanana, Alors, on nanana, est d'accord que c'est ce soir, en fait, c'est un Cobra. live karaoké. Voilà, c'est un karaoké. En Personne fait, n'écrit vous pour êtes l'instant. complètement goût. On a perdu Clémence en route. Rien à voir avec Personne pour moi. Je chanter sais les pas ce que mystérieuses je fais là. cités d'or avec moi. Et... Ok, Kitty, si tu insistes. Attention, les oreilles. Estebandia, Taol, cité d'or. Voilà. Des Ça y est, elle est partie. chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. Voilà. Ah bah si, Clémence est toujours là. J'adore aussi Albator, mais très difficile à revoir. Très très lent. Alors que la lenteur ne me gênait pas. Bah oui, bah c'est pareil avec les... Merde. Dragon Ball, putain. Ils vont mettre 5 épisodes pour se dire bonjour. Meilleur live karaoké. Ah, ça y est, je regagne un peu d'estime de Kitty. Faites-lui une liste. Non, ça va aller. On est là pour écrire quand même. Ouais, c'est pas sur les musiques des dessins animés de l'époque. Non, pas Bernard Minet. Sur les musiques de les. Ouais, si. Et elle est forte, la tisane. Ouais, bah j'en ai testé une nouvelle. Écoute, c'est peut-être ça. C'était.
Trop de Pourtant, tisane, tu la c'était... tisane. Ah non, c'était un thé en plus. C'était un thé... Ah, tu vas pas aimer, c'était un thé en sachet, mais... ils appellent ça fat burning. Oh, C'est juste que de promesses. mandarine, pamplemousse, voilà. Bon, bah, et puis je suis toujours obèse. Hein. Je veux pas dire, mais ça n'a pas tellement marché. Est-ce que c'est bon au moins? C'était pas le meilleur que j'ai Même pas goûté. sûr, d'accord. C'était pas le meilleur. Ok, Avec un donc. peu de miel, ça passe, mais j'en ferai pas ma C'est folie. dégueu et ça crame pas le gras. C'est vraiment Voilà, naze, c'est quoi, on est vraiment d'accord. pourri et ça Voilà. coûte 2 euros. Mon Dieu. Olivier Tom. Ah bah ouais, le but, il met 10 minutes, le ballon, il met 10 minutes à faire tout le terrain. Le Fat Burner, nom de super-héroïne improbable. J'avoue, ça pourrait être C'est marrant. vrai. En attendant, qui a commencé à écrire quelque chose? Personne. Bah, moi j'ai fini en fait, hein. Ah, t'as J'ai fini? commencé et j'ai fini, hein. Non, mais vous n'êtes pas venu sur le... d'accord, vous avez juste envie de dire des conneries. Ce Bah, soir. t'as commencé à chanter. Alors évidemment, eux ils s'amusent avec ça, hein. T'emmerdes Ils pas la sont vie, là hein. pour écrire. Hein. Après, moi, quand je vais mettre le replay, c'est un streaming d'écriture, on n'écrit pas avant 22 heures. Bon, Ah, alors les attends, je suis désolée, premières mais t'as 60 commencé. minutes, on se chauffe. T'as dit, t'as lancé un live karaoké, voilà. On avait dit que c'était un truc d'écriture. Ah, trop fatigué pour écrire ce soir, Astro. Je crois que pour l'instant, on a lâché l'affaire parce que tu nous as monté contre toi. Ah oui, d'accord. Je ne vais pas me coucher tard. Ok, Astro, bah, de toute façon, oui, c'est important de le sommeil, donc n'hésite pas à nous lâcher si tu en as, si tu en ressens le besoin. Bah, je vais Abandonnez-moi, faire un c'est ça? tirage et. C'est une excuse, c'est parce que j'aime pas les trucs chiants dans l'espace. Je vous remets quand même le lien pour vous inciter lourdement à venir nous rejoindre. Bah Je vais non, vous mais... balancer mon tirage à moi. Ouais. Comme ça. Ah, t'as fait avec tes papiers pour de vrai? Non, sur le site Ah aussi. oui. Moi, j'aurais rêvé d'un pitch de chipot quand même. Il faut qu'ils s'inscrivent sur le pad. Ben oui, mais j'ai remis une troisième fois le lien, mais... Alors, au punk steampunk, Asie. Alors, attends, j'arrive. Hop. Voilà, contemporain. Alors, Et le ah, thème, attends, il y a c'est des trucs qui viennent forêt. d'apparaître. Auteur inconnu, qui est en rose, en vieux rose, jolie rose là. Alors toi, t'avais écrit une communauté de hobbits s'installe en Nouvelle-Zélande sur le lieu du tournage du Seigneur des Anneaux pour passer inaperçu et recueille un groupe de nains échappés d'un freak show. Ah ouais. Après, on dit que c'est ma tisane qui est forte. Je n'ai que mon smartphone. Ah oui, le smartphone pour écrire en plus, c'est pas top. C'est vraiment chaud sur téléphone. Ah, Wanayam, toi aussi, t'es sur téléphone. Ah bah oui, sur téléphone, c'est un peu plus compliqué. C'est toi, Clémence, en rose, je m'en doutais, parce qu'il n'y a que toi qui bosses. Alors, un peintre arrive aux îles Marquises dans les années 50 pour suivre les pas de Gauguin. L'inspiration ne vient pas, il s'ennuie. Finalement, il devient professeur de peinture pour les Marquisiens. Tous les Marquisiens deviennent de très bons peintres, meilleurs que lui. Ils exposent dans des galeries du monde entier. Le peintre devient dépressif et sombre dans l'alcoolisme. Ah, Ouais, c'est il n'y a pas pas très fantaisie. fantaisie, non. C'est pas très fantaisie, mais... Mais il y a tout le reste, hein. Mais c'est quand même marrant alors que c'est triste, en fait. Ah, Oh, attends, il y a Chipot qui est en train d'écrire. Mon rêve est en train de se réaliser. Astro, c'est le moment de faire un clip, là. Il y a quelque chose de grand qui se passe. Ah oui, c'est historique. Ah oui, mais c'était pas au choix historique ou fantaisie, hein. C'était de l'historique fantaisie, non? C'est pas au choix quand il y a les deux. Bon, après, si le principe c'est que tu prennes que ce que tu as envie, moi ce Ah que j'aime faire oui. c'est manger, mais après tu fais ce que tu veux. Ouais, puis bon, il peut très bien y avoir un petit soupçon de... Ah oui, mais ce serait plus du fantastique qu'on pourrait insérer dans un pitch comme ça que de la fantaisie.
Le principe des papiers, c'est que ça te file des idées, et après, tu es quand même assez libre de prendre des libertés. Astro. Non, bah, parce qu'il y a Chipo qui est en train d'écrire sur le pad et je venais de dire que c'était mon rêve, alors du coup je me disais, vas-y, immortalise ce grand moment. Mais c'était pour la blague. Non, bah il est cool ton pitch, Clémence. Alors, des aborigènes sont engagés par la couronne britannique pour partager leur magie dite du boomerang. Mon rêve, mon droit d'y croire. Oui. Bah, il me reste plus que ça. Hein. Une uchronie artistique, oui, c'est vrai. On est tous pendus au. Oh, c'est quoi ce smile, cette émote? Il est cool. Une espèce de bière nordique là. Il est beau. Hein. Alors, moi comme d'hab, j'écris rien. Je vous fais toujours croire que je sais écrire et en fait, que dalle. T'as vu comment je les. Hein? Ah mince, j'ai pas coupé le micro. Comment je les arnaque. Je vends Mais mes en fait, lives. on le sait maintenant, hein. Tu sais rien faire d'autre que de la romance, hein. Ah, oh, comment tu piques là? Oh là là. Ah, oh, c'est appuyé où ça fait mal. Ça va, tout le monde a dit qu'elle était super bien et qu'ils avaient adoré la lire. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est géniale. T'as Non, mais il fallait bien que raison. quelqu'un révolutionne le genre. Écoute. Non, je rigole. Non, mais on a déjà dit pourquoi j'avais fait ça. Et je vous ai dit, en plus, j'y ai pris goût. J'ai même préparé le pitch pour une deuxième romance. Voilà. J'assume maintenant. Ça y est, j'ai plus honte. Alors, tu voulais un emoji rougissant, pas trouvé. Alors, t'as mis des bières. Bah, ça remplace vachement bien, je trouve. Ça remplace ça très avantageusement. Bien cette romance, mais avec des personnages un peu dysfonctionnels. Ah oui, tiens donc, ils sont dysfonctionnels, mes personnages. Un des trucs qui est revenu, c'est sur les dialogues qui apparemment plaisent bien. Voilà, je me fais des fleurs, on aime bien mes dialogues. Donc ouais, bah j'en ferai une deuxième romance et j'essaierai de d'avoir des personnages pas dysfonctionnels, Stéphane. Alors, des aborigènes australiens sont engagés par la couronne britannique pour partager leur magie dite du boomerang afin de faire partir et faire revenir surtout les avions anglais engagés dans la bataille d'Angleterre. Mais le serpent arc-en-ciel de leur mythologie ne l'entend pas de cette oreille. Oh là là, ça va être beau en plus. J'ai envie de dessiner un serpent arc-en-ciel maintenant. Et demain, alors attends, parce que comme mes rêves se réalisent, je tente un nouveau rêve. Demain, je veux voir une illustration de ce pitch sur Twitter. Je tente, hein. Si je peux voir sur le tweet de sur le Twitter de Chipou un serpent arc-en-ciel avec des avions de la couronne britannique, je prends. Ne l'entends pas de cette oreille, mais ils n'ont pas d'oreille les serpents, si. Si tant est que les serpents en ont des oreilles. Ah bah voilà, j'avais pas fini de lire. Et bah voilà, les grands esprits se rencontrent. Oh mon Dieu, c'est trop beau. La pauvre Clotilde aurait pu ne pas décrocher et profiter de son week-end. Oui. Mais sinon après, il n'y a plus d'histoire. Alors, eh ben il est cool ce pitch, ça me plaît beaucoup. Merci Chipo d'avoir réalisé ce rêve. En plus, ça en valait la peine. Le serpent arc-en-ciel ne l'entend pas de cette oreille. Trop bien. Ça, c'est bien fantaisie. Bon bah voilà, alors toi, t'avais un deuxième tirage. Ah, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, Stéphane.
Certains liens sacrés. Alors, les aborigènes sont présents depuis leur origine d'Australie. Certains liens sacrés depuis le début des cavernes aménagées sous la surface brûlée par le soleil sont des lieux magiques qui permettent d'échanger à travers toutes les générations. La communication se fait par des peintures et des symboles sur les parois de chaque caverne qui centralisent le savoir et les ressources. Chaque génération parle de ce qu'il a en trop et de ses besoins et peut échanger des denrées et des objets. Cool. Ça fait un peu les grottes de Lascaux. Mais en magique, sympa. Ah, en fait, vous préparez vos pitchs dans votre coin et vous les collez après pour me faire croire que vous bossez pas. Désolé, c'est mon premier essai, mais sois pas désolé, il est vachement bien. J'adore. Moi, je te dis demain, je veux voir un serpent arc-en-ciel. Peut-être avec des tentacules si tu veux, il n'y a pas de souci. Je sors mes cheveux, t'as vu, j'ai pas peur. Hein. Qu'est-ce que tu bricoles, toi? J'entends des bruits là. Ah oui, Clémence, tu l'as préparé à part, d'accord, bah c'est bien. Ah ben voilà un nouveau. Ouais, vous faites tous, vous me faites des blagues. Ah. Ça va donner demain. Oh cool, franchement, si je vois passer un serpent arc-en-ciel avec des tentacules, je pourrais avoir un micro-orgasme. Alors, ça permet de réfléchir mieux. Oui, c'est vrai que je me souviens qu'au début, Kitty, quand elle était arrivée au début sur les ateliers, elle préférait écrire d'abord de son côté parce que ça peut être intimidant d'écrire devant les autres aussi. Ça, je peux comprendre. À je crois qu'on dit papette, hein, ou papété. Mais papété, voilà. Putain, je me fatigue. Ina et Maëva. J'en ai marre de moi des fois. Papé, oui, voilà, faut dire deux fois le et pour que ce soit. A papé été. Ina et Maëva se lient d'amitié, seulement Ina se fait maudire par les dieux en brisant le terrain sacré d'un. Marae, t'as une faute de frappe ou c'est un truc que je connais pas? Qu'est-ce que c'est Marae? Papé, c'est pathologique. C'est douloureux en plus, hein. Alors, Marae, c'est peut-être un truc que je connais pas. Ou alors, c'est une coquille. Ce n'est pas une coquille du tout. C'est magnifique. C'est un lieu sacré pour les Polynésiens. Dis donc, du coup, tu t'y connais en Polynésie? C'est déjà tout à l'heure, t'as sorti plein de trucs qui montraient que tu t'y connaissais. Ça a l'air super beau. Un temple dans la nature, oh mais magnifique. Regardez comme c'est joli. T'as vécu 3 ans là-bas? Bah oui, du coup, ceci explique cela. Alors, en brisant le terrain sacré d'un homme, pour s'en sortir, elles partent toutes les deux en quête d'un remède à travers les îles de Polynésie. Et bah voilà! Et du coup, je vous présente les pots en folie parce que, aussi parce que, oui, il faut trop les écrire, ces histoires, c'est clair. Ouais, vous vous rappelez, et bah pour les nouveaux qui n'étaient pas là, du coup, vous allez apprendre qu'on avait parlé d'un défi, une nouvelle pour Noël. On s'était dit que plutôt que de commencer avec des sagas, on pouvait se dire qu'on partait sur ceux qui veulent rédiger une nouvelle de 10 000 signes espace comprise maximum d'ici Noël, mais pas seulement un premier jet comme on fait les soirs d'atelier, de faire un truc vraiment qu'on relit, qu'on corrige et sur lequel on travaille tous les aspects de la narration, le point de vue, le show d'Antel et tout ça. Et du coup, je me disais que voilà, les pots en folie, ça pouvait être un bon moyen pour booster l'imagination et l'inspiration. Et voilà, là, vous avez déjà des super pitches de nouvelles qui pourraient être cool. Il y a plein d'histoires polynésiennes, mais c'est Ouais. juste très local et pas connu en métropole, mais là-bas c'est très connu. Tu n'entends plus les voix? Comment ça se fait?
M'entends-tu? Louiez-tu? Louiez-tu? Que fais-tu? Je mets ma culotte. Oui, évidemment, hein, moi je commence pas par la chemise. Autre clip donc, merci. Voilà, merci, c'est noté. On va pouvoir faire une story. Bon, alors du coup, on avait un autre. Attends, il y a beaucoup d'efforts dans la culture pour garder la mémoire des savoirs artisanaux et des légendes et de la culture maori en général. Mais c'est en même temps, c'est bien quand ça dépasse pas trop les frontières parce qu'après, y a les histoires d'appropriation culturelle et tout ça. Alors, je sais pas. Après, ça perd de son. Enfin voilà, Bouddha par exemple, aujourd'hui c'est vrai que c'est devenu une déco qui n'a plus beaucoup de sens dans beaucoup de salons. Tiens, un problème de son, ça coupe plus longtemps qu'une phrase sur deux. Mince. Est-ce que ça va mieux? Parce que moi j'ai rien touché. Alors je reviens sur. Je remets l'écran sur le deuxième tirage. C'est bon? Ah, c'est bon. Une phrase sur deux aussi, Chipo. Ça coupe souvent, mince. Pourtant, il n'y a pas de foot ce soir. Donc, le deuxième tirage. Au punk steampunk. Donc, au punk. Bah, peut-être qu'on fera un live. Il y a une dame qui s'est proposée pour qu'on fasse un live sur ça. Du coup, on peut faire peut-être Céline, tu saurais toi nous résumer un peu le Hop Punk? Alors, le punk, oui, parce que je vais pas vous faire écouter donc ma Toute seule la vidéo YouTube conférence. qui dure 2 heures. Le principe, c'est d'imaginer que l'humain se réunit autour d'une idée que l'entraide est la valeur qui va les sauver. Donc c'est l'idée qu'il faut avoir de l'espoir en l'humain et se dire qu'il peut y avoir des valeurs positives et que c'est ça qui peut nous sauver à l'avenir pour imaginer un avenir meilleur. Donc le hop punk souvent est couplé avec le solar punk qui lui est très axé justement sur tout ce qui est technologie solaire, tous les trucs vachement écologie, tout ça. Ouais, il n'y a pas du green Bien que... punk aussi. Alors c'est possible, mais l'idée dans le hop punk, c'est pas forcément l'écologie, mais c'est Ouais. véritablement tout ce qui est les valeurs humaines. Et c'est Ouais. l'idée que les valeurs humaines sont le biais par lequel on pourra avoir un avenir meilleur, une Donc meilleure c'est un société. peu lâcher les dystopies pour aller plus vers de l'utopie. Alors sans parler d'utopie, parce que Ouais. tu peux Ah très oui, on bien peut être avoir quand une même dans un bon milieu dystopie. dystopique. Tout à fait, tu peux avoir une dystopie hop punk parce que l'idée c'est de se dire qu'on base le discours sur les valeurs humaines et qu'on a un espoir en un avenir meilleur. Ça ne veut pas dire que l'avenir est réellement meilleur, mais D'accord. ça veut dire qu'on a cet Il espoir, y a une dynamique, hope, voilà. ouais. Une dynamique et Voilà. une volonté d'un monde meilleur. Alors le principe, Clémence, c'est que tu choisis, enfin. Tu peux choisir l'un ou l'autre, ou tu peux choisir de les mélanger. Le principe du tirage, c'est que justement, tu prends ce qui t'arrange dans le tirage qui est fait. Moi, je choisis de mélanger parce que j'adore le principe de mélanger, mais après, tu peux prendre que l'un ou que l'autre. Bien, ouais, Astrolabe. Voilà. Doublure mais sa culotte, super. Oh, en plus les titres et tout. Attention. Louiez-tu? Louiez-tu? Que fais-tu? Je mets ma culotte. Mon Dieu. Louiez-Louise? Louiez-tu? Que Ah, puis fais-tu? Je mets ma ça se met en culotte. boucle. Merci Astro. C'est juste parfait. Tu n'écris pas, mais tu vois, tu as quand même bien fait de venir. Tu nous gardes tous les meilleurs moments. J'avais vu sur Twitch, il marque que quand on met un
des clips avec les meilleurs moments là et tout ça, ceux qui visionnent le petit résumé, il y a une chance sur deux qui viennent regarder un live dans la semaine, mais là je crois pas. Entre je suis fan des culs et je mets ma culotte, je pense pas que je vais gratter du viewer. Mon Dieu. Je vais perdre toute crédibilité dans le milieu. Voilà. Donc du hop punk, écoute, je vais en avoir besoin là de hop. Mais ouais, non, bah très bien. Alors du hop punk, steampunk, donc on peut choisir ou prendre les deux. Après, Ouais. ouais, faut pas que ce soit un frein en fait dans des. C'est parfait pour les fanfics. J'aime les culs. Oh, putain. Mais ouais, en plus, je parlais de la lettre. C'est peut-être juste une stratégie hyper pensée de ta part. Oui, bien sûr, c'est mon genre en plus des stratégies, des trucs super réfléchis. Ouais, moi, la spontanéité, ça me. Oui, c'est pas Wattpad, parce que Wattpad, je chie dessus, pardon. Bomboclat! Bomboclat! Wattpad! Non, c'est Framapad. C'est plus convivial. En fait, c'est un peu le Google Doc du pauvre, parce qu'il a moins de fonctionnalités, mais par contre, il est moins vendu au diable. Donc, du coup, c'est un doc commun. Mais oui, on écrit tous sur le même. Mais après, si tu préfères écrire de ton côté et éventuellement recoller après. Alors, à ramener des gens qui n'ont rien à voir et qui viennent pour le cul et tu leur fais décrire. Oh ouais! Ah, mais ça, ce serait une très bonne stratégie, effectivement. Venez sur le streaming, on parle que de cul et en fait, après, ils se rendent compte que. Et voilà, ils peuvent plus après se passer de l'écriture et ils deviennent des. Tiens, ça va faire le pitch de Clémence après. Ils deviennent auteurs et autrices et ils sont meilleurs que moi. Ils deviennent célèbres et moi je reste dans mon anonymat le plus total. Et tout le monde m'oublie. Quelle horreur. Merci Kitty, je vais y réfléchir. Alors, pendant ce temps, il y en a qui bossent, je vois. Une communauté, punaise, je parle que de commu ce soir. Ben c'est normal, c'est parce que, regarde, nous, ce soir, on est entre gens de la même commu. Genre. De gens gentils, bah ben oui. En Asie. Ça va, Asie, c'est vaste, hein. Ça laisse quand même de la marge. Contemporain encore. Et forêt, oh cool. Eh ben là, ça vaudrait le coup de partir sur du punk green. Est-ce que ça existe, green punk? Je crois que j'ai vu passer des trucs dans le genre. Je crois que j'ai vu aussi un truc genre ciblé. Ouais, bah je vois un truc green punk. Ouais, green punk, le terme existe en tout cas. SF subgenre définition. C'est un super pitch. Le fait que tout le monde devienne meilleur que moi, c'est pas le pitch que je préfère. Oui, le solar punk. Et je sais pas s'il n'y a pas un truc ciblé Caraïbes aussi. Une littérature ciblée caribéenne. Très sport. Oh, j'ai peur maintenant quand je vois les clips. Oh, la spontanéité, ça me. Oui, c'est pas Wattpad, parce que Wattpad, je chie dessus, pardon. Oh, la spontanéité, ça me. Oui, c'est. Oh mon Dieu. Je ne garantis pas que je vais garder tous tes clips, Astro. Donne pas tous le meilleur de moi-même. Alors, très spontané en effet. Doublure mais sa culotte, hein, j'adore. Ainsi, doublure mais sa culotte, j'adore.
très bon titre. On pourrait faire une nouvelle. Sur... Je sais pas ce que t'en dis, Céline. Une doublure, une nouvelle doublure mais sa culotte. En Ah, termes c'est un plus, excellent titre, hein. ah, n'est-ce pas? C'est un titre qui frappe, ouais. Ça, c'est vendeur. Je pense que je peux le proposer à Rocambole. Très. Easy. La Il y nouvelle a... romance de l'année, Doublure mais Bah, sa disons culotte. qu'ils ont ouvert le catalogue à l'érotique, donc ça peut, Eh, je peux voilà, glisser de la c'est bon. romance à l'érotique facile. Facile. En termes plus général, t'as l'afrofuturisme aussi, mais je ne sais pas si ça entre dans un genre précis ou si c'est un truc plus englobant. Oui, bah, je sais, c'est ce que Michael fait dans plusieurs de ses textes. C'est pour ça qu'il a refait 12, d'ailleurs. 12, il l'a refait pour Rocambole en partant avec. Parce que je crois qu'à la base, le personnage était blanc et il l'a refait avec un personnage principal noir. Du coup, ça change pas mal les enjeux. Enfin, Ouais, j'ai pas même mis si. afrofuturisme parce que potentiellement dans les styles, t'as futurisme et t'as Afrique. Donc du coup, tu peux très bien Oui. avoir un tirage qui te permet de faire de l'afrofuturisme. Alors du coup, sur 12, il y a quand même les enjeux qui restent les mêmes, que le personnage soit noir, blanc ou autre. C'est que, parce que le pitch au départ, c'est que toute sa famille se fait trucider. Donc bon, bah ça, je pense que les enjeux autour de ça restent les mêmes. Mais après, disons qu'il y a des enjeux supplémentaires. Forcément, on me demande. Et bien, sur Rocambole, il y a une version de 12 où la couverture, d'ailleurs, le personnage est noir. Je sais pas si on le voit bien. Attends, je peux te montrer. Il va falloir t'abonner, Kitty, hein, et puis c'est tout, hein. Comme ça, tu pourras lire ma romance. Alors, si je vais sur... Pof. Ouais, c'est juste là. Il y a même une interview. Donc c'est très curieux parce Alors, qu'apparemment le son coupe. ah, encore. Là, ça va, ça fonctionne, mais par 12, moment, ça c'est coupe. un polar afrofuturiste, ça veut dire qu'il appartient au genre SF, ici l'anticipation, que son personnage principal est noir et que le texte aborde des problématiques sociétales liées au racisme et les effets du colonialisme. Pardon, Céline. Donc, Comment sont ça? hop, je mets ça là pour ceux qui veulent. Faut vraiment que je m'y lance sur Rocambole, mais pour l'instant j'ai pas de sous. Je crois que la version, si tu peux te, si tu peux, si t'as quelqu'un d'autre qui est intéressé, je crois que quand tu passes par le site de Rocambole et que tu prends l'abonnement, je sais plus, je crois que c'est Valet de cœur. Il est à 4 euros par mois et du coup tu peux avoir une deuxième personne qui peut avoir l'abonnement gratuit. Donc Oui, si on c'est comme se ça met que à j'ai deux, offert l'abonnement à ma mère. ouais, bah en se mettant à deux, ça peut revenir à 2 euros par mois, pareil que Free, quoi. Oui, il y a 6 séries gratuites déjà, pour te faire une idée, avant de... je sais plus c'est quoi, il y a Viral qui s'appelait Coronavirus avant. Il y a Naked John qui est trop bien. Il y a... bah, je crois qu'il y a 12.
Est-ce qu'ils les mettent là-dessus, les séries? Ouais, bah je vais pas me connecter maintenant, mais bref, il y a 6 séries gratuites, donc tu peux tester déjà 6 séries bien sympas. N'hésite pas sur ce mois-ci à la télécharger quand même. Tu peux tester les 6 séries gratuites et après si ça. En plus, celle de. Il y en a une de Michael Rock, donc je pense que. Je pense qu'elle est dans les gratuites 12. Donc n'hésite pas. Voilà. Ouais. Et puis comme ça, bah, tu as le temps de voir si l'appli te plaît, si tu vois que le style d'histoire et tout ça, ça te convient. Naked John, elle est trop bien. D'ailleurs, elle est toujours dans le top 10. Je crois qu'elle est numéro 2. Oui, tombé pour lui, c'est ça. Il y en a 6, mais... Alors, attends. Viral. Ah bah, il a été au moins une fois d'Irulan, non? Je sais plus si elle est dans les gratuites. Je sais qu'elle est dans le top 10, mais je sais plus si elle est dans les gratuites. Texte tapé sur le Framapad et pas l'autre merde pad. Merci Chipo. Ignition. Ignition allié sur les gratuites. Ok. Ouais bah. Je l'ai pas lu celle-là. Merci d'avoir retenu Chipo. Ça me fait plaisir. Alors, Céline, une communauté de gens gentils. C'est Casimir. S'installe dans. Aokigahara, la forêt des suicidés au Japon. Ah ben oui, mais toi, le Japon, c'est ton délire. Dans l'espoir de redonner goût à la vie aux gens mis de côté par leur société. Ben, c'est joli, ça. T'as pas fait un truc absurde pour une fois? T'as vu, j'ai fait des trucs avec des gens T'as fait un gentils truc joli? Avec des gens et... tristes et des gens gentils qui vont les rendre moins tristes. C'est de la poésie. C'est beau. Enfin, moi, perso, je me mets de côté de la société, de moi-même, et c'est ça qui me donne, redonne goût à la vie, en fait. C'est la société, moi, qui me fait perdre goût à la vie, mais c'est autre chose. T'as un truc pour moi, non? T'as une communauté quelque part, au Japon, ou un peu moins loin. En Beauce, ça Je pense m'arrangerait. que je Ouais. pense que le principe là, c'est justement de pas vivre en communauté, en Ah fait. oui. Et Wanayam, t'as trouvé la fin et ils meurent tous. Ah bah Mais voilà le ensemble. truc, le petit grain de folie. Ils meurent tous, mais Mais ensemble. Et c'est ensemble, ça qui voilà. fait que, tu C'est vois, beau. voilà. C'est ça qui est beau. Qui c'est qui te met excellent? Chipot te met excellent. Je trouve aussi. Alors, ensuite, on a quoi? Moi, Usine la communauté de automatisée Jim de Jones, sport. c'était de côté. Hein? La communauté de Jim Jones. La fin va vous étonner. Et ils meurent tous, voilà. Alors, usine automatisée de smartphone de la province de Wuhan. C'est pas de là qu'est parti le. Est censé être parti le Covid. Une graine portée par le vent s'est glissée dans une machine d'assemblage. Quelques mois plus tard, dans le monde entier, les smartphones, tablettes et objets connectés provenant de cette machine dysfonctionnent tous au même moment. Des radicules et autres lichens apparaissent sur les bordures et les écrans. Délaissés et jetés au sol par les utilisateurs, ils donnent naissance à des forêts luxuriantes. Mais à la végétation inconnue de l'humanité. Oh mon Dieu, c'est trop beau! J'adore! C'est C'est pas green. magnifique? Bah c'est green! J'ai C'est grave l'impression que ça green. a été fait pour me faire plaisir et je suis super touchée. Et puis si c'était pas spécialement fait pour moi, c'est pas grave, je suis touchée quand même. On fait comme si, d'accord? Non, mais c'est vachement chouette comme idée. J'aime beaucoup. Alors,
J'aime bien, après il va mettre des commentaires au pitch des autres, c'est mignon. Donc en rose, il me semble que c'est Clémence. Par crainte de l'effondrement et de la fin. Oui, c'est Clémence. De l'effondrement et de la fin du pétrole, Mei, la fille d'un agriculteur de la province de Hubei en Chine, décide de bricoler le tracteur de son père. Elle lui rajoute un moteur à vapeur. Elle le met en marche, mais ne sait plus l'arrêter. Elle se retrouve dans une forêt qu'elle ne connaît pas. Après un moment où elle se sent perdue, elle finit par tomber sur un groupe de jeunes dissidents chinois qui vivent en autarcie. Elle tombe amoureuse d'un dissident, d'idem, car elle veut rester fidèle au gouvernement chinois. Et bah cool, ça fait que des jolies histoires, ça vous inspire le haut punk. Il faut qu'on aille plus vers le haut punk, je crois, ça fait des trop jolies histoires. Tu vois, ça te plaît en fait, tu le Mais savais pas, ouais, mais ça mais te non, je plaît. savais pas. Bon, si je me doutais que le green punk, ça pouvait me plaire. Parce que quand il y a de Mais le la. haut Je trouve. punk, tu vois. Quand il y a de la végétation et de la nature et tout ça, il y a toujours moyen de faire quelque chose de poétique. C'est toujours très poétique la nature, donc mais pas poète la pas la poésie qui te fait chier, tu vois. Ce genre de poésie Toi, Mais que sais-tu de la poésie qui me fait chier, j'ai envie de dire? Parce bah que toi, tu te attends. fais chier avec l'espace, mais... Bah tu nous l'as dit que t'aimais pas la poésie. Mais comment te dire, les fleurs et les Ouais, voilà, arbres, les avec les fleurs couleurs et des les feuilles, zinzins. et... Ouais, avec les mais abeilles bisbises, et voilà quoi. Oui, mais ce genre de poésie, la vraie poésie, pas la poésie contemplative et nunuche. Même si j'aime bien quand même la poésie contemplative et nunuche. Voilà, c'est vrai, c'est pareil. Toi, tu vois, tu aimes l'espace contemplatif, hein, comme dans 2001. Voilà. Mais du coup, l'espace avec les piou-piou, du coup, Non, là, c'est une poésie ça qui te non. touche plus du tout. Non, 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 c'est pas de la Voilà. poésie pour moi, ça. Alors que d'un seul coup, tu vois, moi, piou-piou, ça me parle Ça te parle beaucoup plus, en plus? fait. Ouais. Et Ouais. 2001, non? Et je prends davantage les piou-piou que les bzbz. Ouais. C'est... Voilà. Ouais. Ouais, bah 2001, c'est vrai que c'est contemplatif, mais c'est aussi très À poétique. mort. À mort, ouais. À mort d'ennui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Et pas une tentacule. Bon, en même temps, les grosses racines, c'est vrai que. Si vraiment tu veux des tentacules, tu pourras toujours trouver quelque chose. La poésie, c'est un genre tellement sacralisé et en lecture obligatoire que ça dégoûte beaucoup de monde. Ouais, mais là, Ouais, c'est... c'est pas la poésie le genre, c'est juste le côté la poésie des choses, tu vois. Ouais, non, mais je pense que Kitty a raison dans le sens où moi, la poésie me fait chier au sens global du terme parce que je pense que c'est un traumatisme scolaire. Hein. Moi, la poésie, dès la maternelle, j'aurais pu tout cramer, quoi. Oui. Honnêtement. Maman Voilà. chérie, tu es si Disons-le. jolie. Ouais, voilà. Pour Alors, la franchement, fête des les mères. poèmes, là, pour la fête des mères, là, faut arrêter. Hein. Faut vraiment arrêter ça. Hein. Ça et C'est les pénible quand t'es colliers de enfant nouilles. et c'est pénible quand t'es parent, quoi. Ça et Faut les tout colliers de nouilles, arrêter. c'est. Non, mais les colliers de nouilles, encore, je prends, Non, mais. honnêtement. Surtout que je dis ça, mais en fait, j'en avais trouvé un super joli dans une bijouterie avec des trucs. C'était que des créations artisanales de gens qui vendent voilà, dans cette bijouterie. Enfin, qui. Voilà, c'était des trucs artisanaux. Et c'était un collier de nouilles fait de. Je crois que c'est des farfales. Et c'était fait en pâte fimo. Alors, c'était des pâtes colorées, des farfales colorées et tout. Il était super beau le collier. Et voilà, je voulais mon collier de nouilles pour la fête des mères. Mais pas des coquillettes, pas des coquillettes, des belles nouilles colorées. Voilà. Je sens un Ça clip à c'est bien. venir. C'est possible, c'est possible. Bah si Piou tu dis piou. moi j'aime la nouille, je pense qu'on tient quelque chose, ouais. Ah ouais, mais non. Non, je dirais pas ça. C'est toi qui l'as dit. Clip pour Céline. C'est vrai, il faut pas qu'il Je que... veux que quelqu'un Voilà. clip Céline. Piou piou, ça parle plus à Kitty aussi. Les fleufleurs contemplent la frondaison des arbres et se demandent, tu crois qu'ils font piou piou là-haut? Oh bah ça c'est vachement beau. Si toute C'est la beau, poésie était comme t'as ça, vu? franchement, je pense que Céline adorerait. Ouais, grave. Ça me parle beaucoup plus là. Arrêtez les enfants, Céline, le 9 septembre 2020.
Bon, bah, C'est on moi. n'écrit pas trop sur le pad, mais sur le chat, par contre, il se passe plein de choses. Bon, alors, un troisième. J'ai mis un troisième, ouais, j'en ai mis un Ouais. troisième. C'était une épicerie, pas Un une pour toi. bijouterie. Non, c'était bien une bijouterie. D'ailleurs, je suis deg parce que ça devait être mal verni ou je sais pas quoi, mais ça n'a pas supporté l'humidité de la salle de bain et il a fini par moisir le collier. J'étais deg. Voilà, vous savez tout. La Le Fimo, prochain tirage, là. prochain Ah ouais, la Fimo, ça tirage. moisit. Bah ouais, écoute, la Fimo, c'est comme Wattpad. C'est de la merde. Voilà, clip. Allez, ça tire à balles réelles, là, attention. Non mais Wattpad, j'ai jamais caché mon aversion pour la plateforme. En fait, je trouve que il y aurait un potentiel, mais quand je vois la masse de médiocrité qui noie les quelques trucs de qualité qu'il peut y avoir dessus, et quand je vois que ceux qui cartonnent qui sortent de Wattpad pour être édités, adaptés au cinéma et tout ça, c'est des trucs comme j'ai encore oublié le titre. Clip is de nouveau titre, j'avoue. comment ça s'appelle comme le 50 nuances de Grey, mais pour les ados. After? Ouais, voilà. Quand je vois que ça, Oh là le collier était al dente. là. C'est ça. Le troisième C'est ça, tirage, c'est la l'alchimiste. nuit des temps. Ah, la nuit des temps de Troisième. Barjavel. Oh, romance aventure. Ah oui, carrément. Ah, mais c'est trop ça. Bah c'est Ben bon, ouais, mais il toi, est déjà fait. bah, j'en fais un autre alors. Mais je sais pas si tu te rappelles, mais quand on avait fait le live à PTG, j'avais Ouais. fait un tirage. C'était trop le portrait de Dorian Gray. Ah C'était oui, exactement ça, quoi. on l'avait dit en plus. Ouais. C'était fou, quoi. Mais C'était oui, bah vraiment tout le volontaire. monde a adoré. J'ai vu quelqu'un sur Twitter un coup qui avait critiqué Barjavel et j'étais pas contente. Voilà. C'était. Je peux balancer si je retrouve son nom, mais je le retrouve plus. Elle balance quoi? C'est. Je sais plus son nom. Et. Qui avait parlé de que Barjavel c'était pourri parce que c'était un gros macho sexiste. Mais. En même temps, faut replacer ça dans l'époque. Hein. Allez, j'ai mis le quatrième Team tirage. Eléa, bah oui, franchement, c'est trop bien. Sa version de l'enchanteur aussi est magnifique. Il est sur le pad, le Oui, tirage. il y a un quatrième tirage, sauf si quelqu'un voulait quand même le faire le troisième, mais comme le livre a Il faut déjà été publier, hein. fait et qu'il est top, on s'est dit qu'on pouvait essayer de trouver un truc plus fun. Oui, son enchanteur, il est juste magnifique. Et donc le quatrième tirage, post-apo fantastique, Europe, Antiquité, Maladie. Post-apo dans l'Antiquité. En Europe, bah, ça va être Pompéi, non? Hein, c'est avant, je sais même pas. Pompéi, c'est à quelle époque? Si, c'est C'est l'Antiquité. ça? Ah bah voilà, bah, je suis douée en fait. Donc Alors, voilà, Kitty Scott, après elle a dit que le quatrième est super cool. le quatrième est super cool, bah ouais. Et bah, c'est toujours cool, hein. Je sens que vous allez devenir adepte, hein, des pots en folie. Vous nous enverrez des photos de vos pots quand vous les aurez fabriqués. Oui pour Ouais. l'enchanteur aussi, on a deux oui pour l'enchanteur de Barjavel. T'allais dire quoi, pardon? Oui, ils sont tous cool les Barjavel, moi j'aime bien. Bah, qui sont pas obligés de faire des pots, hein, que tu peux juste faire des captures d'écran, des tirages que tu fais sur le site. Oui, mais non, mais moi ce que je veux, c'est si jamais ils se fabriquent leur peau parce qu'ils sont devenus fans, parce que moi à un moment je compte me fabriquer des peaux.
Bah, Et je l'idéal, c'est t'enverrai les photos. Enfin, de faire ces trucs avec avec tes ses propres propres. papiers Ben dedans oui. et tes propres thèmes et ce que t'aimes toi, quoi, dedans. La peste, dit Clémence, Astrolabe 79 avant Jean-Claude Van Damme pour Pompéi. Si Pompéi, c'est l'Antiquité. Bah, merci de confirmer parce qu'en histoire, je suis pas super, super forte. Même si, du coup, c'est pour ça, Clémence, je t'ai fait hyper confiance hein, pour ta série historique. Je te fais hyper confiance parce que j'y connais rien. Donc ouais, moi, à un moment, j'espère me prendre le temps de me fabriquer des pots. Et ouais, ce qui peut être cool, effectivement, comme tu dis, c'est de se mettre ses propres petits papiers dedans. Donc dans les lieux, si on n'a pas envie d'avoir des trucs comme Océanie, l'espace, par exemple. Moi, j'ai aucune envie d'écrire sur l'espace, par exemple. Et bah, je mets pas l'espace dans mes pots. Et Voilà, si je... et tu peux aussi faire autre chose que les pots que j'ai fait moi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait période, lieu, Thème et genre. tu vois, voilà. Et donc, du coup, tu n'es pas obligé de faire les mêmes. Non. Si tu as envie, toi, d'avoir un pot avec autre chose dedans, voilà, tu fais ce que tu veux, en fait. Moi, j'ai mis ça parce que c'est ce qui me parlait à moi, mais Oui, après... oui. Bah après, ça peut aussi s'adapter en fonction du projet dont on a envie. Oui, aussi, c'est très malléable, hein. Tu fais absolument ce que tu veux avec. Tu Mais c'est l'adaptes quand à tes même besoins. déjà une super, un super outil d'inspiration et de ce que Michaël Roch appelle déclencheur d'histoire. Parce que voilà, avec un tirage, tu peux déjà pas mal stimuler ton imagination et trouver déjà un bon paquet de pitch et après faire le tri, quoi. Mais Oui, surtout quand c'est. c'est des choses que tu... Ce qui est intéressant, c'est justement aussi quand tu te confrontes à des choses que t'attendais pas ou que t'as pas l'habitude Ouais. de faire et que en fait tu te rends compte que ça te donne des idées quand même. Et ça, je trouve ça super chouette. Bah oui. Ça permet de se surprendre soi-même et c'est bon pour l'estime. C'est pour ça, tu vois, moi j'ai laissé des trucs comme... J'ai mis romance, j'ai mis horreur. J'ai mis plein de trucs que en fait j'écris pas, Ouais. mais qui potentiellement peuvent me provoquer véritablement des idées et me sortir de mes schémas. Et c'est ce qui m'intéresse au final. Ben oui. C'est bien aussi de sortir de sa bulle de confort. Alors, vous avez sur le quatrième tirage, vous êtes tipard ou... Ouais, Wanayam, t'as raison. L'idée, c'est tu fais fabriquer les pots à tes gamins. Comme ça les occupe. Et toi, après, hop, tu récupères le truc. Tout fait. Et t'as même pas eu besoin de bosser. Tu vois ça où? Qu'il a dit ça? Dans le chat? Bah, ça remonte alors parce que je le vois pas. Mon chat il marche plus. Moi ça s'arrête Non, à ha c'est peut-être... ha ha ok ha Astrolabe. Ah, je sais pas, peut-être qu'il faut que tu rafraîches. Moi, j'ai des trucs en dessous. Actualiser, mais tout va disparaître. Ben oui, mais non, quand je fais ça, tout disparaît. Ah. Eh ben tant pis. Écrivez des trucs pour voir si ça apparaît toujours parce que... Oui, je suis là. Genre, oui, je réponds. Allô? Le doublure, oui, je me redresse dans mon fauteuil. Oui, Astro, je suis là, je suis là. Téléphone à Téléphone à clapet. clapet. Putain, ça va être le running gag. Ouais. Bah, moi, je dis, Je faut pense que mettre c'est ça dans un votre pot. nom de code. Faut mettre ça dans un de vos pots. Téléphone à clapet. C'est ça, c'est un défi. Voilà, je veux voir téléphone à clapet dans vos prochains textes. En fait, tu Alors. fais un pot objet et dedans tu mets des objets comme Voilà, ça, objet random. insolite. Et du coup, nouveau défi pour Chipo, faire une vidéo avec un téléphone à clapet. En utilisant un téléphone à clapet, je veux dire, pas en filmant.
pas juste mettre un téléphone à clapet dans la vidéo, hein. Filmer une vidéo avec un téléphone à clapet, c'est un beau défi, non? Alors, quelle idée d'avoir inventé le voyage temporel en ces temps de Covid-19, un voyageur temporel. Ah tiens, bah après avoir parlé de Barjavel, il en a fait un beau aussi, le voyageur temporel. Un voyageur temporel helléniste confirmé revient au temple de Périclès. De Péricles? Afin de... Non, de Périclès. Afin d'analyser en live ses discours et sa politique, les quintes de toux du voyageur contaminé. Oh mon Dieu! J'adore. Modifieront à jamais l'histoire antique, provoquant, attention, une ère post-apocalyptique. Avec un téléphone à clapet, Chipo Chipo va nous faire un beau vaisseau, j'avoue. Le nouveau Brisconomicon. Ah bah voilà, tout le monde connaît, tout le monde est fan à ce que je vois. Hein. Le téléphone Ouais. pliable hors de prix de Samsung, ça compte? Non, ça ne compte pas. Sinon, c'est trop facile, c'est plus un défi, Astro, enfin. Ouais, je vois que tout le monde suit Chipo. En fait, on est tous fans de Chipo Ah sur ouais. Twitter. En fait, c'est pas vraiment toi la VIP ce soir, c'est un peu Chipo. Enfin bon, t'as vu, t'as quand même la couleur VIP sur le Discord et ça compte. Ça claque. Ça compte si tu plies le tien dans l'autre sens. Ouais, Oh mais non. après, il peut plus filmer grand-chose, hein. Alors, provoquons une un où les hommes auront jusqu'au souvenir même de l'usage de la sandale antique. Et les autres, ça bosse pas trop. Mais attends, tu sais pas parce qu'il bosse Ah ailleurs et oui, c'est après il colle. vrai. Ah, tu les défends, hein. Bah, ouais, mais c'est parce qu'il te feinte et toi tu tombes dans le piège à chaque fois. Bah oui, c'est vrai. Je suis naïve, moi, innocente. Et très innocente, oui. C'est ça. Les clips le prouvent. Les Il y a clips. des clips pour le prouver. Clip à l'appui, ok? Clip à l'appui, je suis naïve et innocente. Alors, ah, où les hommes auront oublié jusqu'au souvenir de l'usage de la sandale. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, eh ben voilà Clémence. Donc c'est quoi? C'est un monde nudiste? Ah Du ouais, coup, ils sont tous c'est en hyper Bermuda et en claquettes apocalyptique. avec des chaussettes. Avec des chaussettes. L'innocence, mais aussi sa culotte. Eh ben écoute, ça dépend des jours. Il y a des jours, elle en met. Il y a des jours. Comme ça, c'est comme tout, il y a des jours avec et des jours sans. Voilà, clip. Dans Rome dévastée par la peste, Hélène, une jeune paysanne qui vient d'arriver, erre dans les rues de la ville où s'empilent les cadavres. Miam! Soudain, une forme blanche surgit d'une maison. Elle lui annonce qu'elle sera bientôt impératrice. Waouh! Ça claque. On Ah ouais. revient dans ton genre de prédilection, Clémence, l'historique. Non, est-ce que c'est ton genre de préhistorique? Mon Dieu. Est-ce que c'est ton genre de... Quand tu mélanges prédilection et historique, ça donne préhistorique. Est-ce que c'est ton genre de prédilection, l'historique, ou t'as vraiment... Parce que je sais que t'as fait des trucs dans d'autres styles. J'en profite pour interviewer les auteurs rocambole et les autrices rocambole qui sont parmi nous. Car Clémence est une autrice publiée sur Rocambole, ne vous l'avais-je point dit? Avec Mes bons cousins, une série historique fort Mais sympathique. nous le savons, Nous le nous le savons. savâtes, nous le savâtions. Qui est non seulement historique, mais
non sans humour, sans un petit humour pince sans rire, qui n'est pas pour me déplaire. Voilà. Par contre, elle n'est pas dans les gratuites. Il faudra s'abonner pour pouvoir lire Clémence. Ben oui, alors les deux oui, c'est pour ton genre de prédilection, c'est... Oui, d'accord, c'est ton genre préhistorique. D'accord, donc c'est ton genre de prédilection, c'est bien. C'est bon à savoir, parce que je sais que t'as fait aussi d'autres trucs et du coup, je savais pas si... Tu vas éviter de trop tirer sur la corde. C'est pas grave, on aime bien ça. Quand tu tires sur la corde. Eh ben, bonne soirée, bonne fin de soirée, Astro. Merci. Merci pour tes clips. On saura en faire bon usage. Passe une bonne fin de soirée et bonne nuit, repose-toi bien. Bisous. Alors, c'est un récit d'horreur, du coup, oh là là, ça... Oh, j'ai fait une bêtise. Ah non, ça va. Vous avez Non, senti non, la je suis là, je panique? suis là. Vous avez senti la panique? Non, c'est Astro qui s'en va. Elle disait bonne nuit à Astro. Alors, du coup, ça veut dire que ça a continué d'évoluer. C'est un récit d'horreur, je vois. Ah oui, non, c'est toi qui commente. Dans ce futur, dans le futur de ce monde, les touristes allemands en short ne portent que des chaussettes. Les touristes allemands en short. Là, c'est l'idée que j'avais donnée. Mais moi j'avais dit en chaussettes avec des tongs. Mais du coup on retombe forcément sur le touriste allemand parce que je crois que c'est les... y a que les Allemands qui mettent des chaussettes avec leurs claquettes, non? J'ai fait Je aussi sais de la pas, il y a pas les Hollandais aussi qui... Il y a toute une communauté comme ça. la communauté de l'anneau et la communauté de la La chaussette. communauté de la chaussette dans les... La communauté de la chaussette dans les sandales. Hein, Dans c'est les très précis. sandales, oui. Oui. Tu as fait aussi de la fantaisie, mais tu préfères l'historique. Ok. Mais d'ailleurs, tes anciens romans, il y a moyen de se les procurer. Ne peuvent pas être fans de Miami Vice. Les hobbits ne mettent pas de chaussettes. Et ben voilà. Ils devraient, mais ils n'ont pas besoin. En même temps, avec les poils. Les touristes allemands en short, sandales et chaussettes valent bien les clowns en matière d'horreur viscérale. Tu m'étonnes. Après ça, le nouveau roman horrifique de Stephen King, Les Allemands en short. Le touriste allemand. Alors, peuvent pas, sinon ils sont comme les chats, ils sont perdus, ils perdent le contact avec le sol. Ah bah oui, voilà, ils prennent repère avec les poils. Tu connais des Français qui font ça aussi? Ah, oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Gauchia Santifa is now following. Eh bien, merci et bienvenue. Gauchia Santifa, c'est joli. C'est gênant, Clémence. L'autre jour, pour aller faire des courses, pour aller habiller le petit pour la rentrée, ma mère, elle est venue avec nous et le petit voulait mettre des chaussettes et ses sandales. Et ma mère, elle n'a pas voulu. Elle a dit, tu mets tes baskets, tu sors pas comme ça avec mamie. Moi, je dis, s'il aime ça, si c'est son loup qui fait ce qu'il veut. Hein. Non, mais on comprend, hein. On comprend. Moi, je le On laissais comprend. faire, mais ma mère, elle a dit, non, tu sors pas comme ça avec mamie. Donc bon, après, j'avoue, je préfère qu'il mette quand même les baskets, mais je veux pas... Tiens, faut qu'il s'assume. Faut qu'il apprenne de ses Ouais, c'est erreurs. vrai. Laissons nos enfants avoir des goûts de merde, ok? Bah Voilà. écoute, si Ils ses sont goûts à libres. lui, c'est pas forcément des... Voilà, c'est des goûts de merde pour Non, nous, mais mais... moi, j'ai des limites, ok? Et j'ai un tabou, et mon tabou, c'est les Les chaussettes dans les chaussettes sandales, dans les quoi. sandales, tu ne supportes pas, ok. Je peux passer sur Alors... beaucoup de choses, mais ça, non. Non, d'accord. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, Elliot, tu notes. Ben, le pauvre, il est là, il dort, il est malade.
Pour mes romans fantasy, je préfère garder l'anonymat pour garder toute liberté. Ok. Mince, alors je peux pas me les procurer. Elle est comme ça, Clémence, elle avance masquée. Ouais. Bah remarque, moi j'ai pris un pseudo pour les romances. Hein. Ouais, c'est clair, personne ne sait que c'est toi. Non, Surtout quand il y a personne marqué sait que c'est. doublure stylo Miss V. C'est dans le même truc. Je l'ai Personne ne sait même que c'est mis toi. sur Twitter maintenant, tellement j'assume. Ah, Stéphane, il a fait un truc en 430 avant Jésus-Christ. La peste fait rage à Athènes. Les parents du futur Platon prennent peur et cherchent un moyen de sauver leur vie, car ils savent que leur futur enfant aura une influence pour plusieurs millénaires. Ils prendront des précautions pendant les. Ah, mais en Ah, fait, t'as été ils essayent très de mélangé. nous faire. Si on recoupe les histoires, en fait, ils essayent de nous faire croire que c'est la peste. Mais en fait, c'était le Covid. C'est ça. Merci Chipot, tu viens de lever le voile sur l'histoire du monde. En fait, c'était pas la peste, c'était le Covid, mais comme ils n'avaient pas d'unité de réa, ils n'avaient pas les masques non plus, ils portaient pas bien les masques. Du coup, ils sont tous morts. Bon, bah, est-ce que vous êtes chaud pour un dernier tirage? Est-ce qu'il y a de nouvelles histoires? Kitty, elle écrit plus beaucoup, alors elle n'a pas fini. Ou alors elle est partie se coucher. Oh, Balou! Qui passe avec un lol. Alors, Avec des bouts de toche, tu fais des système. masques. Moi aussi, Chipo, c'est pas mon prénom. Bah oui, mais je sais pas moi comment t'appeler sinon. Ils prendront des précautions pendant les 5 ans de l'épidémie. Ils vivent dans la crainte que Platon ne puisse pas devenir Platon. Ce serait moche. Alors, un petit cinquième, je vois qu'il est sorti. Ouais, je l'ai posté Conte, sur le chat aussi. aventure, Amérique du Nord, futur opéra. My. Alors là, débrouillez-vous avec ça. Ah, tu commences à fatiguer Clémence. Oui, bah de toute Ah ouais, façon mais là, c'est ça sûr. va être le dernier tirage. Hein. Donc, si t'en as... Ah, bah c'est vrai qu'en plus, c'est gentil de venir parce que tu m'avais déjà dit que c'était un horaire qui t'arrange pas. Donc, te force pas à rester si t'as envie d'aller te coucher, il n'y a pas de souci. Hein. C'est déjà super gentil d'avoir fait l'effort de venir avec nous. Parce que... Je sais plus si c'était pour quel live déjà que t'avais dit que t'aurais bien aimé venir et... Mais que c'était trop tard. En 1919, il y avait des masques pour nous contre la grippe espagnole. Du coup, Clémence, tu fais le dernier ou tu vas faire dodo? Est-ce que le dernier t'inspire ou tu le gardes pour demain? Alors, qui va nous faire un joli conte ou un pas joli conte en Amérique du Nord? Alors, moi j'aurais envie de choisir le Canada. Parce que l'Amérique de Trump, c'est bon quoi. Ah oui, mais dans le futur. Un opéra dans le futur, on va se retrouver avec le cinquième élément là. Oui, à cette heure-ci, je dors normalement. Bah oui, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, bah ce fut un plaisir pour nous aussi. Merci pour tes pitchs qui étaient super cool. N'hésite pas à les développer, même sur des nouvelles, ce serait trop cool. Ah oui, c'était le Writionary. Eh ben, écoute, on en refera un. Normalement, on en fera un chaque mois. Donc, tu auras toujours l'occasion d'en refaire un. Eh ben, merci d'être passé, Clémence, et d'avoir participé. Eh ben, bonne nuit. Repose-toi bien. De toute façon, nous, on se recroise sur le Discord de Rock'n'Ball. En plus, il est trop dur, le dernier. Il t'inspire pas. Mais tu vas en rêver cette nuit, et demain, tu vas nous pondre un super pitch.
Alors, une princesse Cherokee, ok. Non, attends, je réfléchis là. Je suis pas. Bonne nuit Clémence, à demain. Non, là, je réfléchis là, attends. Ouais, bah tout le monde réfléchit parce qu'il n'y a plus personne. Opéra, dans quel sens? Ben. Ben, ce que tu veux, dans le sens que tu veux. Je C'est l'ai dans tiré les comme étant thèmes un thème, opéra. après c'est une question d'interprétation, hein. Tu peux faire une comédie musicale si tu veux. Ah ouais, grave, tu peux faire une comédie musicale. Dans le futur. Alors après, il faut aussi choisir de combien dans le futur. Ah, mais il recommence à me bugger la fenêtre. Voilà. Est-ce qu'on a perdu Kitty à un moment? Je la vois plus. Est-ce que j'aurais loupé qu'elle disait au revoir à un moment peut-être où ça a coupé? Quand Je j'avais plus le vois. chat. Amelie is now following. Elle me suivait pas encore celle-ci, vilaine. Non, je la vois pas, Kitty, dans les connectés. Il y a Sébastien qui est caché dans un coin. Qui dit rien. Il y a des noms que je connais pas, mais comme Amelise m'a dit qu'il y avait des robots, il y a des bots qui viennent faire des trucs d'écriture. Ah, coucou Amelise. Grillé en live. Bah oui, non, mais c'est pas parce que. Faut pas que ce soit une obligation de s'abonner à la chaîne, même si on a fait un coaching. Non, mais il n'y a pas de souci, c'était pour la blague, Amélise. Amélise, pardon. En plus, c'est bien, du coup, l'abonnement en live, ça fait genre, il y a des gens qui s'abonnent et tout, c'est cool. Tu penses. Ah, bah voilà, c'est que tu pensais que tu étais abonné. Comme Amélie, ouais. L'innocence ne porte pas toujours de culotte. Ouais, mais là, elle va pas suivre le délire, là. Alors. Elle est concentrée, Céline, on n'entend plus. Ben ouais, mais parce que c'est trop dur là. Attends, je tente de réfléchir. Bah, en Je dis plus, pas faut je faire réfléchis, un j'essaye. compte. Faut faire un compte, hein. C'est encore Céline qui a Ouais, écrit un ouais. truc chelou. Ça dépend de quel truc chelou parce qu'on en a plusieurs. Oui, je sous-marine en faisant autre chose à côté. Eh bah écoute, moi ça me fait toujours plaisir que ça t'intéresse, même si c'est en fond sonore, c'est jamais un souci pour moi. Donc c'est cool. De toute façon, je le dis à chaque fois, moi aussi ça m'arrive de mettre un streaming et de l'avoir un peu en faisant un autre chose avec, à côté. Donc aucun souci. De quel truc chelou tu parles, Amélise? T'as vu, je l'ai bien dit là. Alors, j'ai du mal ce soir, petite nuit. C'est Stéphane? Oui. Eh bah écoute, si t'es pas inspiré, je sais pas, je viens d'arriver, je demande. J'entends Céline, j'ai peur. C'est qui parle, je sais pas. Ça marche que sur mes élèves d'habitude. Ah bah oui, Eh voilà, ben, c'est normal. c'est ton élève. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je me disais à qui je fais peur, à part à mes élèves, à personne. Voilà. C'est pour ça. Stéphane, si tu le sens pas le dernier, tu le gardes pour plus tard ou bien tu enfin tu vois, tu soit tu le refais plus tard si tu as envie de le faire et puis sinon c'est pas grave. Hein. Alors bon, Clémence, elle est partie. Est-ce que Chipot, il est encore là? Il a écrit 5.
Chipo. Il réfléchit aussi alors, ou il écrit ailleurs et Ouais, le copie-colle il après, c'est copie encore tout la ça. blague. C'est encore pour la blague. Ah, ça écrit. Ah, ça efface. C'est parti. Alors, moi, je vais essayer de réfléchir à l'oral. Moi, je verrais bien le Canada. J'ai déjà dit. Dans le futur. C'est dur d'imaginer un futur. Mais même dans le futur, le Canada sera toujours le Canada. C'est profond ce que je dis, hein. Ah, dans un futur proche. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, genre la feinte où tu fais en fait contemporain et tu mets dans un futur proche. En 2021. Et demi, en 2021 et demi. Et demi. En décembre 2020, c'est le futur. Je m'en fous, c'est le À futur. fait. Eh ouais, comment j'ai niqué le game là. Dans un futur proche, l'Amérique du Nord a vu sa communauté. Mais merde, c'est quoi cette fascination pour ce mot ce soir? Bah oui, tu deviens communautariste, attention, hein. C'est clair. Bientôt complotiste. A vu sa... Et pourquoi pas platiste tant qu'on y est, tu vois? Platiste, bah oui, parce qu'on a parlé de Platon tout à l'heure. Et je crois que tout est lié. Alors oui, c'est sans lien, Bah Platon, platiste, c'est pas les adeptes de Platon, les platistes. non, pas tout à fait, mais pourquoi pas, Ah, hein? presque, j'y étais presque, merde. Presque. Alors, l'Amérique du Nord a vu sa communauté se développer et établir un territoire indépendant. Mais sa communauté quoi? Se développer? Ah ouais, pardon. Bah oui, s'il te plaît, excuse-toi. Ah, indienne, se développer et établir un territoire indépendant. Une princesse Cherokee veut s'affranchir de sa condition. De sa condition de Cherokee ou de princesse. De princesse patate. Celle-là. Patate. De princesse patate, c'est une princesse. Ah, elle veut devenir une princesse patate. Ok, je comprends. Voilà. Alors, une princesse Cherokee veut devenir princesse patate. Quel Oui, titre. elle veut se lancer, elle veut travailler chez Jardiland. C'est ça. Et voilà. N'emmerdez pas. Veut s'affranchir de sa condition et part pour faire carrière dans je sais pas quoi, ok. Bah, dans l'opéra. Elle veut devenir chanteuse. Le prochain qui me parle de terre plate, je l'envoie en vol suborbital en slip. Ah bah voilà, il met une culotte. C'est mieux que 100 parce que il fait froid là-haut, il paraît. Je sais au moins ça. Mais le slip suffira pas, hein. Non? Ah. Oui, mais c'est Non, déjà ça va être bien. un peu léger. Ça protège l'essentiel. Les patates amérindiennes, alors. Alors, on va repartir dans les frites et ça va partir en... Hein? Il y a une fascination pour les frites, Ouais, ouais. les frites et les patates, on en revient toujours là. Hein. Elle veut faire carrière dans je sais pas quoi, ok, et... Et 2 secondes. Bon, bah, je vais aller voir plus bas s'il se passe des trucs. Je parle du pad. Parle du pad. Mon Dieu. Oh, c'est dur ce soir. Oh, putain. Ah, je les enchaîne. C'est dur ce soir. Une poutine, c'est avec des frites. Les frites indiennes d'Amérique. Alors, Orange de musical. Un opéra en ce bon 26e siècle qui revient sur la carrière de cet homme d'État d'Amérique du Nord d'il y a 500 ans. Qui reviendrait sur... Ce serait un blond, non?
C'est la fête du slip ce soir, c'est ça, Wanayam. Après, c'était quoi le premier titre? Nutella, il y avait un truc avec, t'avais fait un titre avec Nutella pour la soirée, le titre du live, et là maintenant, Orange parce qu'il va en tôle. Bah, je sais pas s'il y a un rapport avec Orange is the New Black. Pourquoi Orange? C'est en Floride peut-être. C'est parce que c'est en Floride, non? Pour cela, une équipe de nos meilleurs compositeurs généticiens ont été envoyés sur la Terre. Ouais, j'attends de voir pourquoi Orange. Ah, oh là là, attends. Il lui arrive plein de trucs. Bah super, t'as bien détaillé. T'envoies ça à Rocambole, t'es sûr d'être prise. Il lui arrive plein de Ouais. trucs. C'est. Il arrive plein de trucs. Hop, Alors c'est moi, plié. j'ai fait un personnage super cool. Il lui arrive plein de trucs. Plein de trucs. Ok, c'est bon. Signe là, j'achète. Ouais, c'est clair. Série de l'été. C'est le pitch ultime. Bah franchement, envoyez ça à Rocambole, c'est sûr vous êtes pris. Il lui arrive plein de Ouais, grave. trucs. Elle tombe amoureuse et c'est trop Madame Butterfly high-tech et son histoire est tellement épique qu'après sa mort, un opéra est écrit sur son histoire. Alors, est-ce que je me gourre ou est-ce que... Parce que je sais plus trop Madame Butterfly, en fait, c'est... Cherche pas, elle meurt, tout le monde meurt. Ouais, d'accord. Ouais. Finit toujours mal, de toute façon. Sauf si Ben. ça s'appelle un opéra bouffe. Ça Hein? s'appelle un opéra bouffe, ça finit bien. D'accord. Alors, je comprends pourquoi ça marche pas quand j'essaie chez Rocambole. Parce qu'il se passe pas assez de trucs. Avec Robin Williams, non. Je sais Pourquoi pas, ça va être Robin compliqué de trouver un Williams? acteur mort. Dans quel rôle? Tu fais référence à quoi là? Est-ce que tu confonds pas avec l'autre acteur et par rapport à Les Évadés? Au film Les Évadés? On serait très King ce soir, c'est ce que je crois que c'était aussi du King ça, non? Il me semble, Il y ouais. a un truc en ce moment, ils n'arrêtent pas de dire sur Rocambole, c'est Michel, j'ai pas la ref. Michel, pas la ref. Michel, pas la ref. J'ai la... Il y a Michel, j'ai la ref, apparemment, quand on met les images. Donc là, j'ai pas la ref. Ah, chipot sèche, mince. Telle une méduse morte sur le bord de la plage bretonne. Abandonnée par le ressac, chipot sèche. Oh, en plus, une sèche, une méduse. Oh là là. Je suis trop forte sans le faire exprès. Alors. On était envoyé sur la Terre ravagée afin de cloner le mythique président. Ça y est, comme je te regarde, tu peux plus sécher parce que là, tu es sur l'écran et tout le monde te voit sécher. T'es obligé d'écrire quelque chose. Faut que ce soit un conte, hein. Je vous rappelle qu'il faut une morale. Pour un conte, il faut à la fin une morale. Une moralité. Ah, il y avait marqué conte, aventure. Ça peut être les deux comme l'un ou l'autre. Donc du coup, elle va crever, ta princesse patate. Elle va finir en frites, quoi. Moralité. J'ai hâte de lire ça. J'envoie un baquet d'eau de mer bretonne à Chipot. Ben, tu restes princesse
et tu fermes ta gueule. Ah non, et tu fais pas chier, c'est pas à peu près pareil. Si tu veux pas finir dans un opéra pourri, écrit par Jean-François Lafrite. Pourri. Oh, référence à la génération Club Dorothée ce soir, ça fuse. Hein. Voilà. Jean-François Porry, c'est pour toi. C'est vrai qu'à une lettre près, c'était ballot. Jean-François Pourri. Ils l'ont pas fait ça, Cadet Olivier. Après Jean-Michel à peu près, ils auraient pu faire Jean-François Pourri. Ouais, il Alors, fallait avoir la... ouais. Pas compris Jean-François Pourri. C'est celui qui fait, qui a fait tous les, c'est le scénariste hein, du Club Dorothée. C'est le parolier Parolier des musclés des musclés. et Ah. de C'était pas le et scénariste de aussi de Bernard leur Minet. Si, c'était le le scénariste et le scénariste parolier. genre de premier baiser et tout ça quoi. Ouais, c'était le parolier de tout le monde. C'est-à-dire que c'est lui qui a écrit toutes les chansons pourries qu'on nous a vendues. Bah C'est lui. pourri, Chez nous, pourri, quand même, hein. pourri, abuse pas. Toutes les adaptations des clips, enfin des génériques des dessins animés, elles sont vachement bien. Ça, c'est pas forcément de lui d'ailleurs. Ah. Eh ouais. Ce qui Ah est de bah lui, voilà. c'est par exemple les chansons De Dorothée. Les chaussettes rouges et jaunes à petits de pois, c'est Malory. trop bien. Ça, c'est pas de lui d'ailleurs, c'est de Ah, Corbier. d'accord, bah Non, Corbier, par tout. contre, lui, il a écrit les chansons de Malory Natouf et tout ça. Ah, d'accord. Voilà. Azoulay. Et Ah oui, il y avait toute Azoulay la clique. aussi. Ah oui, c'est peut-être Azoulay qui était talentueux. Et des musclés. Il a écrit toutes les chansons des musclés. Bah tiens, Voilà. y a hommage à Chipot, c'est là, merguez. Merguez parti. Voilà. Natouf tout de suite la ref. Natouf t'étouffe. Ah bah là tu l'as la ref, hein. Ouais, alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Mallory Nataf avait fait une prestation remarquée au Club Dorothée où elle avait chanté Justement, pas de culotte. sans culotte, voilà. Voilà. Dans un Et ça s'était show bien pour vu parce que les enfants. caméramans de TF1, Ben les oui, caméramans de TF1 filment par en dessous. était en bas de la scène. Voilà. Et du coup, c'était quand même dans une émission pour enfants. Oui, mais c'est bien. C'est le thématique, c'était la biologie, quoi. Ouais, C'est voilà. tout. Voilà. Tout le monde a eu Et c'était bien. un cours. Ouais, Naïa. Ouais, mais tu devais pas avoir 5 ans à l'époque. Ah bah si, pourtant, on était si. Si t'es notre génération, t'étais pas 5 ans, mais oui, À t'étais l'époque quand de même un Malory enfant. Nataf, moi j'étais déjà au T'étais collège. déjà. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que genre Hélène et les garçons, tout ça, c'est arrivé un peu après. Bah oui, Hélène. parce que c'était mon frère qui regardait ça. Il avait 5 ans et lui, il était hyper Ouais. fan d'Hélène et les garçons. Ouais, mais déjà quand ça a commencé à être. Bah, moi je regardais les garçons par contre. J'étais plus grande quand même. Mais Mais ouais, c'est moi pas grave. quand j'ai commencé à arrêter. Ouais, c'est mon frère qui s'y mettait. Ça commençait à être. Dragon Ball et tout ça. Je m'y suis remis pour Mallory. Bon, alors ça dessèche là. Je vois que ça dessèche, ça écrit. Alors, pour cela, une équipe de nos meilleurs compositeurs généticiens ont été envoyés sur la Terre ravagée afin de prélever un morceau de peau et cloner le premier président des USA, lui donner le rôle titre. Mais certaines choses ne devraient jamais être réveillées. Ah, mais c'est pour ça, Orange. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Qui aurait pu croire que la légendaire couleur de peau orangée était une entité biologique? Marine? Non. Si, Marine. N'écris pas toutes les conneries qu'elle dit, hein. Une entité biologique, Marine Le Pen.
Oh là là, ça fuse ce soir, hein? Une entité biologique extraterrestre. Ah bah oui, si c'est pas marin, c'est extraterrestre. Tombé du ciel. Tombé du ciel. Ça y est, elle rechante. Quel représage! Donald est un extraterrestre. Eh oui. Ayant revêtu cet humain. Comme les... Merde, j'oublie toujours le nom, là, les trucs dans... Dans Comme le Do... gars en peau d'Edgar, ouais, dans Men in Dans... Black. Non, dans Doctor Who. Ah, dans Doctor Who Les aussi, ouais. cochons, Sinon, tu là. l'as dans Men in Black. Les espèces de Oh, ils sont cochons. affreux. Oh, oui, ils auraient pu me dégoûter de regarder. Franchement, je pense que... La première saison, enfin la première saison du nouveau Docteur, on avait arrêté au cours de la première saison, c'était vraiment trop kitsch. Et puis finalement, un jour, on s'y est remis et puis on a bien fait. Et en fait, c'est comme pour Buffy, ouais, la première saison, elle est kitsch, mais elle a un cachet que tu retrouves plus jamais dans les autres saisons. Et qui est quand même trop bien. Oui, j'ai parlé de Men in Black. Est-ce qu'on en parle de Men in Black? Bah écoute, je pense pas que ça mérite qu'on s'y attarde plus que ça non plus. J'essaie de reprendre Doctor Who, ça me va plus. Plus ou plus? Ben moi j'ai beaucoup aimé la fin de la première saison. Enfin de la première saison du nouveau Docteur. Hein. Ouais, ben après ils sont tous bien. Hein. À chaque fois que ça change de docteur, en fait, on se dit oh j'aimais mieux celui d'avant et puis finalement on finit par se faire au nouveau et on finit toujours par le kiffer. Ah plus du tout. Mince. Ben apparemment la dernière saison là elle est pourrie, alors je sais pas, j'ai pas regardé. C'est dommage quand même qu'ils fassent des épisodes pourris alors que le docteur est enfin une femme. Alors. Nourrissant de noirs desseins pour l'humanité. Lovecraft nous avait prévenu, pauvre fou. Je l'ai pas lu non plus, tiens. Voilà. Si je dois me faire plein d'amis ce soir, j'ai jamais lu Lovecraft. Et j'ai pas l'intention de le lire. Voilà. Bah écoute, c'est pas grave. Voilà. Heureusement que personne t'oblige à lire des trucs que t'as pas envie. Hein. Non, non, mais en plus, non, mais à la base, je me dis un truc qui où tout le monde fait référence à lui et tout, ça peut être intéressant. Et puis après, je vois que, comme moi, je suis pas du genre à séparer l'homme de l'artiste. Et après, je vois qu'il a quand même un gros fond de raciste antisémite et tout ça. Je me suis dit que peut-être non. Bah, Mais 1926, quoi. ouais, J'ai je envie de te sais. dire 1925, 1926. Ouais, Voilà. 39. Alors, Donc, je bon. séchais complètement, je poulpais même. Ah oui, tiens, on l'avait pas fait le verbe poulper. C'est pas mal, ça, je le note. Des abos. Ouais, ah bah, t'auras mis le temps, hein. Ça va. Ah, si j'avais fermé ma bouche, je pouvais tenir jusqu'au bout C'est en clair que perdant tu lui as personne. passé beaucoup de trucs. Il t'a passé beaucoup de trucs Là, c'est le pour truc de juste trop. craquer au dernier moment, quoi. C'est ça. Je pense à 5 minutes près. Si j'avais pris le. Si je l'avais flairé, j'avais coupé avant, ça m'aurait évité de dire la connerie de trop. C'était dur le dernier, j'avoue. D'ailleurs, vous êtes que deux à l'avoir testé. Moi, je me suis arrêtée au Canada. Frama Lovecraft, par contre, tu peux t'y mettre. Eh ben écoute, si je trouve Frama Lovecraft, j'y vais. Non, mais je dis pas un moment si l'occasion se présente. Mais on verra. Je passe déjà mes journées à lire et à écrire pour le boulot, alors quand je lis après pour le plaisir, c'est vrai que j'ai envie que ce soit quelque chose.
Les chats, de Who, Star Wars, la poésie, Wattpad, les musclés, Dragon Ball, je pouvais tolérer, mais Lovecraft. Non, mais t'as cité des trucs que j'aime bien. T'as mélangé avec Céline. Moi, j'aime bien le Docteur Who. C'est Mais moi Stéphane qui aussi. aime pas. C'est Stéphane qui a dit qu'il n'y arrive plus. Moi, j'aime beaucoup le Docteur Who. Et en compagnon, ma Poésie, c'est préférée, c'est Rose. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça, je n'ai rien à foutre. Moi, ma préférée, c'est Rose, ok? la meuf rebelle, ok? Voilà, ok. Rose, j'adore. J'aime bien son côté où ils essayent de nous la faire passer pour une meuf vulgose et tout. Et en fait, elle est trop yimbe. Je la trouve super belle et je l'adore. Voilà, Rose, elle est magique. Wattpad, ok, là on est d'accord. Les musclés, la poésie, moi j'aime bien, c'est Céline qui aime pas. C'est moi la poésie. Les Je renonce musclés, j'ai complètement. rien contre, j'ai rien pour non plus. Dragon Ball, j'ai jamais dit que j'aimais pas, j'ai juste dit qu'il mettait 5 épisodes pour se dire bonjour. Et ça, Mais ça, c'est personne lui, peut me hein. Je suis contre. désolée, mais Olivier Tom, ils mettent 15 épisodes pour faire la moitié du terrain. Hein. Wanayam, c'est dégueulasse. Elle est morte, Rose, je le souhaite. C'est méchant. Non, elle n'est pas morte, Rose. Elle est partie dans une autre dimension avec une. Gros spoiler, attention. Non, elle est. On ne sait pas. Rien. Il dit n'importe quoi. J'écris jamais, par contre. Eh ben, tu devrais. Tu devrais, Ouais. parce que comme t'as plein d'idées. Ça fait forcément des trucs bien, hein, tu vois, tous tes pitchs, ils étaient cool et on a tous envie de lire les histoires. C'est ce qu'on a dit pour ma grand-mère. Quelle Ou de horreur! regarder tes vidéos. Ah ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit pour ma grand-mère. Quand j'ai dit non, elle n'est pas morte, elle est dans une autre dimension. Et Wanayam dit c'est ce qu'on a dit pour ma grand-mère. C'est horrible. Pardon, je devrais pas rire d'ailleurs. La meuf qui dit c'est horrible, elle est pliée. Ben oui, parce qu'il y a plein de Zéro trucs, limite. il y a plein de trucs qui sont horribles et qui sont drôles quand même. Ça va. On peut rire de Zéro tout. limite ce soir. Ouais. Bah ouais, bah, la tisane fat burning. Ouais, c'est pas le gras que ça brûle, C'est hein, pas le gras que apparemment. ça brûle, mais ça brûle quelque chose apparemment. Non, mais c'est ça qui fait que les lives sont si sympas. C'est parce que je suis nature spontanée. Puis on travaille bien autour de l'écriture et tout, on bosse bien. Maintenant que j'ai vu Spider-Man dans le multivers, je me pose des questions. Fat burning, les neurones, c'est clair. J'en avais déjà pas des masses. Bon, mais en tout cas, Oh, voilà. il y a quelqu'un Vous qui a avez un été quand même flux. vachement bien. Bah ouais, ils ont fait des super pitchs. Hein. Il manque le. Il y a le erratrice de Clémence qui a été effacée ici. Il lui annonce qu'elle sera bientôt Trop imp. classe. C'est pas la Elle est même imp, histoire. quoi. Ah bah voilà, c'était la partie fantaisie qui manquait. La voilà. C'est plus du tout la même histoire, quoi. Elle lui annonce qu'elle sera bientôt impératrice versus elle lui annonce qu'elle sera bientôt imp. Ah, ça ouvre de nouvelles perspectives, Pas du tout le même délire. hein. Tu ne dois pas prendre la nouvelle pareille déjà. Il y a une des perspectives qui est plus réjouissante que l'autre, quoi. Il faut que j'en écrive une ou deux après le dernier repas. Ah oui, c'est vrai que tu fais le dernier repas. Voilà, en fait, la romance que j'ai écrite s'appelle Le Dernier Pas. Et Stéphane, quand on en a parlé, il avait lu Le Dernier Repas et du coup, il a décidé de l'écrire. Donc, j'ai hâte de Parce que, lire ça. apparemment, il a dit qu'il avait pitché le dernier repas. Donc, il avait pitché une série qui n'existait pas. En plus, carrément, bah, moi je veux C'est le ça qui pitch. devait m'intéresser, moi. Je veux le pitch. Je veux le pitch. On veut le pitch. Ouais, alors elle sera bientôt imp. Bon, bah sur ce.
Je pense que là, on va pouvoir s'arrêter. Ça vous a plu? Vous en demandez encore? Ah bah J'ai c'est vu un dispo, contrat. hein, vous le faites quand vous voulez, hein. Ouais, j'espère que vous nous direz si vous réutilisez l'outil à un moment ou si vous l'utilisez pour vous échauffer ou machin truc. Moi, je ne l'ai toujours pas utilisé parce que j'ai toujours pas le temps de me pencher sur un nouveau projet. J'arrête pas en plus déjà d'en pondre des nouveaux. J'ai un dossier projet qui arrête pas d'augmenter. Et dans les trucs projet bouclés, par contre, ça bouge pas beaucoup. Oui, tu l'aimes beaucoup aussi cet exercice. C'est marrant, hein? Le hasard. C'est fou, hein? Incroyable. Mais Incroyable. du coup, ouais, à un moment, je me ferai les pots et parce que j'ai envie aussi d'écrire des nouvelles parce que c'est court. Du coup, on peut aboutir quand même rapidement à un truc terminé par rapport à quand on fait une série ou un roman où ça demande plus de temps et avant d'arriver à quelque chose de fini et de se dire waouh, je l'ai fait, j'y suis arrivé au bout. Et les Bah ça dépend, nouvelles. parce que si tu fais une série qui est super courte, au final, ça te fait l'équivalent d'une Oui, longue nouvelle, hein. ouais. Mais c'est vrai que la nouvelle, c'est un format qui est intéressant Parce que... aussi. Mais tu traites pas une Ouais. nouvelle et une courte série de la même façon non plus. C'est toujours le même truc. C'était Frama sympa. Je sens que ça taille un peu quand même. Non, bah oui, c'était sympa. Bah merci à vous parce que c'était cool. Merci à toi d'être passé. Sur l'atelier, parce que comme tu l'as dit toi-même, tu n'écris jamais, donc de t'être prêté au jeu, c'était super cool. Donc en plus, tu viens à la rencontre de tous tes fans en venant ici. Hein. Enfin, tous tes fans, je sais pas, mais tout le monde ici te connaît et apprécie ton travail, donc c'est cool. Et puis voilà, bah, merci comme d'hab à vous tous et toutes, parce que même si on bosse pas toujours beaucoup. On passe toujours des moments sympas. En fait, c'est plus studieux quand Anaïs est là parce que Anaïs bosse toujours. Et dès qu'elle est pas là, Contrairement à nous. dès qu'elle est pas là, on se laisse aller. Non, mais C'est après, ça. l'idée, c'est pas forcément non plus de produire bien, vite et bien pendant l'atelier. L'idée, c'est aussi d'aborder justement l'écriture de manière ludique et rigolote. Et puis de présenter des outils et des pistes pour trouver du plaisir dans l'écriture. Donc même si pendant l'atelier on ne bosse pas, vous avez l'outil des petits papiers, des pots en folie, vous savez où trouver le site, vous savez comment vous les préparez, vous les fabriquez et vous pouvez le refaire quand le cœur vous en dit. Donc c'est ça l'idée aussi. Hein. Et Mais en je plus, vous avez appris comment faire genre un pitch ultime pour que votre série soit acceptée à Voilà, Rocambole, quoi. il lui arrive des trucs. Voilà, il a Notez bien cette phrase, elle vous sauvera la vie. Elle pourrait vous sauver la vie. Il lui arrive des trucs. Je vais la mettre dans ressources et je vais l'épingler. C'est un personnage, il lui arrive des trucs. Pitch ultime de la mort. Best pitch ever. quoi. Voilà, Je notez-le sais, bien quelque c'est ça part. le talent, c'est ça le talent, d'accord? Ça, on en a ou on n'en a pas, elle en a, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est. Là, Vous ouais, je pouvez sais que ça pas fait peur test, des ça autres. fait peur. Vous pouvez pas test, c'est tout. Bon, sur ce. Je pense que tout le monde est épuisé, hein, parce qu'on est épuisante. Hein. Non, puis là, je pense que le dernier pitch, il nous a Ouais, vidé, quoi. il a vidé Il tout le avait eu monde là. raison du peu d'énergie qui nous restait. Ouais. Donc, bah, c'était cool. S'il n'y a pas de match, on se retrouve mardi prochain. Je sais plus. On fait quoi la semaine prochaine? Je regarde vite fait. Ouais, là je suis pas sur Frama shit, hein, je suis sur
Je suis bel et bien sur Google Sheets. J'ai vendu mon âme au diable et j'assume. La semaine prochaine, mardi prochain, on teste le logiciel Ink pour un autre logiciel pour écrire des fictions interactives. Et la semaine prochaine, en atelier d'écriture, on fait Actor Studio. Voilà, Actor Studio, je vous réexliquerai ce que c'est. L'idée, c'est la méthode de piocher dans nos propres émotions pour les retranscrire. Donc là, bah, normalement, c'est les acteurs, mais pourquoi pas le retranscrire à l'écriture? Donc voilà, ce sera ça l'idée. Donc voilà, pour ceux que ça botte, d'être là la semaine prochaine. Chipo, tu reviens quand tu veux. J'attends de voir le serpent arc-en-ciel demain sur Twitter. Tu fais ta pub, Stéphane? Qu'est-ce que tu nous mets comme tweet? Ah bah voilà, il t'a piqué ton pitch. Tu l'as mis sur le. Tu devrais le mettre sur le post, le tweet de Julien où il demande des pitchs justement pour. Le Twitch avec le plus de likes sera le. Le Twitch. Le pitch avec le plus de likes deviendra une série rocambole. Donc n'hésitez pas à aller tous lui proposer votre super pitch. C'est l'histoire d'un personnage, il lui arrive des trucs. Il n'y aura pas de soucis. C'est toi Thierry Le Breton. Ah là là, Thierry Le Breton est une star. Ah, c'est lui, beaucoup de personnes sur Twitter. Stéphane, il fait la moitié de la population de Twitter, c'est lui. Ouais, c'est clair. Moi, la moitié de mes abonnés, c'est lui, hein. C'est ça, en fait. Des fois, tu es content, t'as trois retweets, c'est toujours lui. Les trois, c'est Stéphane. Six, je suis six. Demain soir, le serpent arc-en-ciel, oh là là, franchement. Je serais trop honorée, je serais trop fière et je serais trop heureuse. Ça va nous vendre dur avant, ça c'est Ah sûr. grave, bah là, tu vas être retweeté de la mort. C'est clair. Je promeux ce que j'aime bien, c'est gentil. De toute façon, toi, t'es quelqu'un d'adorable. Bon, bah sur ce, on va peut-être, hein, couper. Donc, Mais c'est toi qui es aux manettes, hein? hein? Ouais, c'est moi qui suis aux manettes. Mais de toute façon, déjà, quand je vais couper le live, nous, on ne sera pas coupé tout de suite. On pourra Ouais. débriefer. Ouais, Ça on va va trancher. débriefer. Ah, là, j'ai la ref. Là, j'ai la ref. Celle-là, je l'ai forcément. Chérie, ça va trancher. Heureusement que c'est pas un film où on chante parce qu'elle aurait chanté là. Hein. Tu plaisantes? Non, 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 chut, non. Tu veux danser la Ils n'ont pas le temps. carioca? Nanana nanana. Faisais Dormir. tous comme moi. Youpi. Dansons la carioca. Voilà, c'était un film où on chante. Là. Bon allez, cette fois ça On va l'a bien vraiment plu. trancher. Eh ben merci tout le monde. Et à la semaine prochaine, je vous embrasse. Bonne nuit. Bonne